Il est 9 h, on va commencer cette matinée et je vois qu'il y a pour l'instant plus personne dans la salle d'attente. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette sixième matinée d'Astram. Les matinées, pour rappel, il y a des gens qui sûrement ont déjà participé à d'autres matinées, peut-être qu'il y a des nouvelles personnes. Donc, les matinées, c'est un cycle de conférences et d'échanges en ligne pour parler des familles face au bouleversement de la vie. Et les matinées, elles ont été lancées l'année passée, en 2021, et elles sont soutenues par Promotion Santé Suisse. Avant de commencer avec le thème du jour, je vais vous rappeler quelques petites consignes pour le bon déroulement de ces 2 h 30 qu'on va passer ensemble. Alors, désolée pour ceux qui étaient déjà là à 8 h 45 et qui les ont déjà entendus 3 fois, mais je les répète pour les nouvelles personnes. Alors, vous pouvez vous renommer et mettre votre nom, votre prénom, l'institution pour laquelle vous travaillez en cliquant sur les 3 petits points que vous trouvez en haut de votre fenêtre et cliquez sur renommer. Comme ça, quand vous interagissez dans le chat, on voit qui vous êtes, d'où vous venez, etc. La caméra, elle peut rester volontiers allumée, comme ça on vous voit. Par contre, les micros restent éteints. Merci. Et puis, vous aurez l'occasion, vous pouvez interagir à travers le chat. Vous aurez l'occasion, lors des conférences et des interventions des personnes invitées, de poser vos questions. Et puis, ces questions seront reprises par moi à la fin de la conférence et je les poserai aux intervenants. Voilà, ça, ce sera la manière d'interagir aujourd'hui. Et vous dire encore que les matinées sont enregistrées et que vous aurez l'occasion de les retrouver sur notre site internet, notre chaîne YouTube, assez rapidement. Pour celle-là, en principe, dès demain, si tout se passe bien au niveau technique. Et je pourrais vous mettre aussi déjà le lien, la page du site sur laquelle vous retrouvez cet enregistrement. Je vous la mettrai dans le chat. Et puis, vous recevrez aussi un mail pour les personnes qui se sont inscrites, vous indiquant le lien pour revoir cette matinée. À la fin de la matinée, je vous enverrai aussi un lien en vous demandant de faire une petite évaluation qui prend 3-4 minutes. Cette évaluation nous permet au fait de réajuster des matinées, de pouvoir aussi connaître peut-être vos besoins, vos nouveaux besoins. Et ça nous aide à créer au fait des nouveaux programmes, avoir des nouvelles visions pour d'autres matinées. Voilà. Je laisse juste entrer quelqu'un. Voilà, donc le cadre étant posé, on peut commencer. Donc la Fondation Astram vous se réjouit vraiment et heureuse de vous accueillir aujourd'hui. La Astram, c'est une fondation qui soutient des familles, des enfants, des adolescents, des jeunes et des adultes qui sont touchés par un bouleversement profond de leurs liens familiaux, notamment dans le cadre d'un deuil, d'une séparation ou d'une maladie. Et puis, depuis quelques années, nous, on a été amenés à accompagner aussi des enfants et des jeunes qui grandissent avec un parent en souffrance psychique. Cette matinée, c'est la troisième matinée qui porte sur le thème de la fragilité psychique. Elle a été pensée en lien avec les journées de la schizophrénie et puis la Semaine nationale d'action enfants de parents dépendants qui se déroule en ce moment. Alors aujourd'hui, je vais vous faire les présentations des personnes qui vont nous accompagner aujourd'hui. Aujourd'hui, donc pour nous parler du trouble psychique ou de l'addiction d'un parent dans le regard de son enfant, on a le plaisir d'accueillir Charlie Kreutznon, qui est psychologue et psychothérapeute et formatrice en approche systémique et narrative. Bonjour Charlie. Bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue, merci. Nous accueillons aussi Viviane Richaud, qui est psychologue et intervenante à Astram Vaud. Bonjour Viviane. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Merci. Nous aurons aussi l'occasion d'entendre Anne de Montmelin, qui est directrice de la Fondation Astram, mais qui va nous rejoindre un petit peu plus tard parce qu'elle est actuellement
dans les studios de la radio pour une émission en direct. Et puis, on l'entendra après la conférence de Charlie Cretenon. Et puis, nous aurons aussi à travers des vidéos, des témoignages de Muriel, Amandine et Florian qui vont nous accompagner. Voilà. Alors, pour introduire le thème de cette matinée, donc le trouble psychique d'un parent affecte de nombreux enfants en Suisse romande aujourd'hui. Alors qu'autour d'un parent qui est en souffrance psychique, on sait qu'il y a tout un dispositif interdisciplinaire qui se met en place, bien souvent. Mais aussi bien souvent les besoins des enfants, donc de leurs enfants, les enfants qui ont des parents en souffrance psychique, bien souvent leurs besoins sont ignorés ou ils ne sont pas pris en considération par les professionnels. Et la réalité de ces enfants qui grandissent avec des parents en souffrance psychique, elle est très mal connue. Aujourd'hui, avec Florian, Muriel et Amandine, on va se plonger dans le vécu d'enfants, des enfants qui sont devenus adultes et qui nous racontent comment c'était de vivre avec un parent, une mère, un père touché par un trouble psychique. Et on écoutera Charlie Cretenon mettre en lumière et en perspective ces témoignages qui sont importants. Et je tiens déjà à remercier Florian, Muriel et Amandine pour la confiance qu'ils nous ont accordée et pour leur témoignage. Et des histoires, d'autres histoires, il y en aura aussi de celles que les enfants et leurs familles construisent ensemble autour de la fragilité psychique, pardon, lorsqu'ils participent au projet Zigzag de la Fondation Astram et dont nous parlera Viviane Richaud dans la deuxième partie de cette matinée. Mais pour l'heure, je vais donc laisser la parole à Charlie Cretenon pour sa conférence qui s'intitule « Écoutons les enfants nous raconter la vulnérabilité psychique de leurs parents ». À toi, Charlie. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette présentation. Merci à la Fondation Astram pour son invitation. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui et je ressens particulièrement de pression. Est-ce que c'est le setting en ligne auquel je ne suis désormais plus habituée et c'est tant mieux. Heureusement, j'ai vu parmi vous des visages ou des noms connus qui me rassurent un peu. Et surtout, on va parler d'enfants. Alors, j'ai pris un petit bonus, j'ai pris ce petit stylo que vous voyez que Olive, qui a 8 ans, a vraiment mis tellement d'efforts à gagner à l'école et m'a dit « Maman, dans la boîte au trésor de la maîtresse, j'ai choisi un stylo pour toi, pour que tu puisses l'utiliser pendant tes formations. » Alors voilà, comme ça je lui rends honneur et c'est la première manière pour moi de vous parler des enfants et en l'occurrence d'un des miens. Peut-être pression aussi. Je ressens particulièrement pour cette conférence parce que j'ai entre mes mains, et je vais les déposer aussi entre les vôtres, des mots précieux, des mots qui nous viennent de Muriel, de Florian, d'Amandine aussi, que vous allez voir à travers des vidéos et avec lesquels j'ai fait un exercice de haute voltige. Amandine, elle est là parmi vous, et puis je n'ai pas encore eu l'occasion de la rencontrer si ce n'est en vidéo. Et puis, si tu le souhaites, Amandine, mais vraiment, si tu le souhaites, à l'issue de cette conférence, ce sera volontiers qu'on pourra échanger. Et j'ai rencontré Muriel et Florian à travers des mails. Du coup, ce n'est pas tout à fait la même qualité que quand on peut converser avec des personnes en direct. Et pourtant, sans me connaître, Muriel et Florian ont accepté de tisser avec moi des conversations narratives à propos de la vidéo. Moi, c'est comme ça que je les ai rencontrés, c'est en regardant la vidéo que je vais aussi vous partager de leur témoignage d'adultes qui étaient des enfants un jour aux côtés d'un parent concerné par la vulnérabilité psychique. Ce que je vous propose aujourd'hui, pendant cette heure qu'on va passer ensemble, c'est d'aller à la rencontre de ces adultes enfants, anciennement enfants, des enfants d'aujourd'hui, et puis peut-être de tisser des liens avec une approche qui me tient particulièrement à cœur, une manière d'intervenir auprès des familles, auprès des enfants, auprès des personnes qui nous consultent, c'est l'approche narrative. Donc on va naviguer ensemble à travers ces mots, et vraiment j'ai à cœur, je sais que Florian et Muriel m'écouteront après, dans un deuxième temps, une fois que Isabelle sera occupée de la technique et du montage, et donc j'espère vraiment être à la hauteur du cadeau qu'ils et elles m'ont fait
Et je crois que vraiment, c'est en partie pour ça que je ressens un peu cette pression ce matin. Alors, allons-y. La question de grandir avec des parents en souffrance psychique. Plusieurs auteurs ont écrit à ce propos, et je pense notamment à Cathy Collier et Frédéric Van Leeuwen, qui ont édité en 2017 un livre qui porte le titre que je viens de nommer, « Grandir avec des parents en souffrance psychique ». Et plusieurs auteurs, dont elle, ont montré à quel point plusieurs choses étaient assez intéressantes, peut-être intrigantes, peut-être à déplorer aussi. D'une part, que les enfants concernés par la vulnérabilité psychique d'un parent étaient régulièrement délaissés de la prise en charge globale. Isabelle le disait en introduction, souvent il y a plusieurs intervenants, il y a tout un réseau autour de ces parents et de ces familles, et pourtant les enfants ont tendance à être un peu laissés de côté. Deuxième point, les auteurs ont montré aussi la difficulté des professionnels à leur faire une place à ces enfants. À faire une place à ces enfants, et en commençant d'abord par considérer que la vulnérabilité psychique de l'adulte n'est pas tout de l'adulte, que cet adulte est à la fois un parent en prise avec une vulnérabilité psychique et peut-être un parent avant tout. Et comment on peut faire une place à ces enfants en intervenant auprès des adultes, en leur parlant en tant que parents d'enfants. Donc on n'a peut-être pas accès directement aux enfants, on a accès peut-être plus facilement aux parents concernés, aux adultes concernés, j'ai envie de dire, mais comment on peut ne pas oublier dans nos consultations, dans nos prises en charge, qu'il s'agit aussi, pas seulement de parents, d'adultes, pardon, mais aussi de parents. Troisième élément, comment on peut faire une place aux enfants dans le discours des adultes? Comment on peut faire apparaître ces enfants? Et enfin, comment on peut écouter et accueillir la souffrance des enfants? Quel genre d'écoute, quel genre d'approche on peut mettre en place pour aller à la rencontre de ces récits des enfants? Et c'est un petit peu ça qui va nous intéresser pendant ce moment qu'on va passer ensemble, c'est quelle place on peut laisser au discours des enfants. Et là, je pense à la fois aux enfants qu'on pourrait avoir très directement en consultation, mais aussi aux adultes qui sont par ailleurs des parents. Donc vous voyez la place des enfants qu'on peut avoir soit assez directement, comment on peut les écouter et les entendre, mais aussi comment on peut leur faire la place aux enfants dans le discours des adultes, dans le discours de leurs parents, qui ne sont jamais que une personne en prise avec une vulnérabilité psychique, mais aussi des parents, des conjoints, des conjointes, des personnes qui ont toutes sortes d'autres facettes, et comment on peut aussi laisser apparaître ces différentes facettes. J'aimerais vous lire un retour de Christine van der Borck, qui est psychologue clinicienne, et qui fait ce retour à la lecture de ce livre « Grandir avec des parents en souffrance psychique ». C'est un retour qui m'a beaucoup interpellée parce qu'elle parle de ce qu'elle a ressenti à la lecture des témoignages de ses enfants, à la lecture des témoignages qui sont présents dans ce livre. Et elle dit deux choses qui sont bien importantes pour le propos d'aujourd'hui. Je cite « Nous sommes à la fois prises dans l'émotion suscitée par les paroles retranscrites à partir des récits qui laissent apparaître le poids de la honte, de la culpabilité ou de la solitude ressentie. Nous sommes aussi gagnées par l'étonnement et la surprise devant l'immense capacité résiliente des jeunes qui s'expriment avec délicatesse, sensibilité et pertinence. » Et quand j'ai lu cette citation, j'ai vraiment pensé que deux choses qui sont importantes et que je répéterai probablement à plusieurs reprises, mais c'est comment dans notre capacité d'écoute, on peut écouter à la fois le poids de vivre à côté d'un parent qui est en prise avec une vulnérabilité psychique, qui n'a pas toujours les mêmes effets dans la vie de l'enfant, mais qui peut inviter ici dans cette citation la honte, la culpabilité ou la solitude et toutes sortes d'autres émotions, toutes sortes d'autres positions, de ressentis chez l'enfant. Et aussi, et c'est bien important, toutes ces résiliences, tous ces récits de peut-être ce qui n'est pas donné à voir, peut-être parce que les jeunes expriment d'abord, si on leur laisse la place, ce côté de honte, de culpabilité, de tristesse, de poids aussi autour de leur vécu.
Écouter, c'est pas neutre d'écouter. L'approche narrative nous dit que quand on écoute en tant qu'intervenant face à un enfant, face à un adulte, peu importe, on va faire des choix. Et donc, je vous invite d'ici là à partir avec ce petit voyage. Donc, je vais naviguer entre partage d'écran avec certaines slides que vous allez voir dans un instant, et puis les vidéos après où on verra les personnes concernées. Je précise aussi que ces slides que vous allez voir, que vous devriez voir dès maintenant, vous les aurez, on vous les enverra par la suite, donc vous aurez tout ça sous les yeux. Est-ce que Isabelle, par exemple, tu peux me faire un pouce levé pour me dire si vous voyez les slides? Merci Viviane, merci Isabelle. Parfait. Alors voilà, déjà on va vraiment partir en voyage parce que là on est propulsé dans les années 80-80 avec cette image d'époque de Michael White et David Epstein. Je la trouve assez fabuleuse parce qu'on voit qu'il y a des choses au niveau, je ne sais pas, de l'habillement ou d'autres looks capillaires peut-être qui datent un petit peu et qui nous fait sourire. Alors voilà, on est propulsé en Australie en compagnie de Michael White et David Epstein, qui sont deux personnes, je ne vais pas passer beaucoup de temps à vous les présenter, mais juste pour que vous situiez mon propos, l'approche narrative, elle a été développée par ces deux personnes qui sont des travailleurs sociaux, qui étaient des travailleurs sociaux formés en thérapie familiale, en systémique, et qui ont inventé l'approche narrative. J'ai mis deux éléments en dessous de ces personnes, en dessous de Michael White, qui est le personnage sur votre gauche, qui nous dit que la personne n'est pas le problème. Et ça, c'est un élément que je trouve qui paraît tellement évident. Et pourtant, quand on parle de vulnérabilité psychique, eh bien parfois on voit qu'on est embarqué nous-mêmes dans une représentation dans laquelle la personne qu'on a en face de nous, peut-être qu'on est amené par la voir qu'à travers son diagnostic. Peut-être que c'est nous, intervenants, intervenantes, mais peut-être que c'est aussi les personnes autour, la société, qui stigmatise particulièrement les personnes touchées, concernées par une vulnérabilité psychique. Donc déjà, se rappeler que la personne n'est jamais que son problème, et surtout pas si on arrive à la considérer dans ses multiples facettes. Et puis de David Epstein, qui a cette coupe fabuleuse, moi je l'ai rencontré qu'il y a quelques années, du coup il n'a plus cette chevelure abondante et noire comme ça, mais est-ce que David, je trouve, ça lui correspond bien? Ce qui m'a beaucoup transmis et ce qu'il a transmis à l'approche narrative aussi, c'est la magie des questions. Et ça, ça va nous intéresser aussi, je vous le disais il y a un instant, écouter, c'est pas neutre, parce qu'en fait, on ne fait évidemment pas que d'écouter, mais ce qu'on fait aussi avec les personnes, c'est qu'on leur pose des questions. Et donc, je vous propose qu'on regarde un petit peu, qu'on s'intéresse à la posture narrative, comment on s'y prend en termes narratifs pour écouter, pour mener des conversations narratives. Je vais juste pointer votre attention sur quelques éléments qui me semblaient importants et qui vont nous aider à aller à la rencontre de Florian et puis dans un deuxième temps de Muriel et de voir comment est-ce que j'ai pu tramer les conversations avec elle et lui. D'une part, ce que l'approche narrative nous dit, c'est qu'on va avoir vraiment à cœur de considérer la personne accompagnée comme au centre, comme experte de sa vie. La narrative nous dit qu'en tant que professionnel, on va être expert du processus, on va être experte des questions qu'on pose, mais en aucun cas on sera expert ou experte de la vie de la personne. Donc ça, ça part du principe que ce que j'entends en tant que professionnel, je vais toujours faire bien attention de m'assurer que je comprends bien de quoi me parle cette personne. Je ne vais pas partir du principe que moi aussi j'en ai la même expérience. Peut-être que je partage une partie de cette expérience-là, mais je vais faire bien attention de m'attarder, si je puis dire, sur chaque mot utilisé, sur chaque expression, en tout cas toutes celles qui sont significatives. Et puis, comme posture professionnelle, je vais aussi m'investir dans une posture de guide de manière engagée. André Grégoire, qui est mon mentor, qui m'a formé à Montréal aux pratiques narratives, disait qu'on a une posture de Sherpa. Et j'aime bien cette image de Sherpa. Donc le Sherpa, c'est la personne qui va nous accompagner en haute montagne, qui a un physique absolument et une endurance absolument incroyable. Évidemment que ce n'est pas le Sherpa qui va imprimer le rythme de son pas, parce que sinon il va vite nous perdre. Donc le Sherpa, c'est la personne qui, malgré son physique et son endurance, vont nous guider un pas en arrière. Ça, c'est une posture qui est aussi chère à Steve DeShazer dans l'approche centrée solution, orientée solution.
Donc, on va guider un pas en arrière, c'est-à-dire c'est la personne qu'on accompagne qui va imprimer le rythme. Et pourtant, dans nos bagages, parce que les Sherpas, c'est souvent eux qui vont porter toutes les choses qui vont être nécessaires pour monter le campement et puis les vivres, etc. Eh bien, notre bagage, peut-être d'intervenant et de professionnel, c'est nos questions, c'est notre attention à mettre l'autre au centre, c'est tout ce qu'on va pouvoir composer pour aller à la rencontre des préférences de vie, nous dit l'approche narrative, des compétences et des choses qui sont peut-être parfois un petit peu cachées dans le discours des personnes aussi. Donc, j'aime bien le terme de composer des questions, parce que composer des questions, c'est pas imposer une question, c'est la composer. Alors, on peut penser à la composition musicale, quelque chose d'un peu créatif, et puis aussi qu'on est plutôt dans une posture de proposer des questions, et la personne en face de nous va être tout à fait, ça va être tout à fait possible, elle va être tout à fait autorisée à dire « cette question, elle ne me parle pas trop » ou « ouais, cette question, elle me permet d'aller plus loin ». Enfin, on va vraiment toujours, pas à pas, regarder avec la personne, de pouvoir naviguer avec elle. Et puis, dernière chose, la narrative va nous dire aussi que chaque question va agir comme autant de carrefours, de directions et d'orientations possibles. Donc, vous l'avez vu sur l'image que j'avais choisie, il y a un peu ces deux trajectoires possibles. Et l'idée, c'est ça, c'est que chaque fois qu'on pose une question en tant qu'intervenant, on est responsable de la proposition d'une direction. On n'est pas du tout responsable de ce que la personne va nous répondre, ça, c'est évidemment, ça lui appartient. Par contre, nos questions ne sont pas neutres. Rappelez-vous, je vous disais, ni l'écoute qu'on a, ni les questions qu'on pose n'est neutre. Ça dépend ce que nous, on va capter dans le discours de la personne, qu'est-ce qui va nous intéresser. L'approche narrative va nous dire, par exemple, que quand on écoute une personne, on va essayer de noter les mots lumineux. J'aime beaucoup cette expression-là de mots lumineux parce que ça, peut-être ça détonne un peu avec, parfois en tant que professionnel, on est bien habitué à noter ce qui détonne, à noter ce qui est la question du problème, de la difficulté, de la souffrance. Et puis parfois on oublie un petit peu ces mots lumineux. Alors c'est ce à quoi l'approche narrative nous invite. Et puis, on va bientôt arriver dans la première vidéo, mais encore deux choses que j'aimerais poser avec vous. D'une part, la narrative nous dit peut-être qu'il y a deux trajectoires possibles quand on écoute les personnes. Peut-être qu'il y en a plein d'autres, mais c'est les deux que je pose avec vous. D'une part, le récit de la souffrance, le récit de ce qui est dur. Rappelez-vous dans ce que je vous citais tout à l'heure, de la honte, de la culpabilité, du sentiment de solitude. Tout ça, ça doit apparaître. Tout ça, les personnes, quand je travaillais au sein d'Astram, on sentait que les enfants, ils nous étaient très reconnaissants d'être des adultes qui peuvent accueillir le récit de la souffrance. Qu'on n'est pas complètement déstabilisé par le fait qu'un enfant peut poser des mots très difficiles, très douloureux même à entendre en tant qu'adulte sur la situation dans laquelle il et elle se trouvent. Et pourtant, d'avoir en face un adulte qui tient la route, entre guillemets, c'est important. Alors, en narrative, on le fera de manière externalisante et avec une perspective relationnalisante aussi. Je pose des mots comme ça qui sonnent peut-être un peu barbares. Je ne vais pas m'attarder sur cette trajectoire-là, mais c'est une des trajectoires possibles et les deux sont importantes. Ce n'est pas l'une ou l'autre, c'est plutôt l'une et l'autre, parfois dans des temps un peu différents. Et puis aussi, la deuxième trajectoire, c'est le récit des identités préférées, c'est-à-dire le récit des compétences, des résiliences, des apprentissages. Et là-dessus, on peut s'appuyer sur une boussole que j'ai développée et que j'ai appelée la boussole narrative. J'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, quand on va écouter Florian, quand on va écouter Muriel, c'est plutôt de diriger notre attention sur comment on pourrait inviter à des récits plutôt du côté des identités préférées. Et c'est comme ça qu'on va essayer de formuler ensemble des questions qui amènent Florian du côté des identités préférées, des compétences, des résiliences, de l'apprentissage. Alors, qu'est-ce que ça nous demande? Ça nous demande de faire référence à une notion de Michael White qui s'appelle l'absent mais implicite, qui est la notion de double écoute. Et on va tout de suite s'entraîner à ça, hein. C'est le but, c'est qu'on va écouter Florian dans un instant, et on va essayer d'écouter ce que Florian nous dit du côté pile de son récit, c'est-à-dire vraiment les mots qu'il pose, et l'attention de comment on peut écouter le côté face. Le côté face, c'est un côté qui est absent, qui n'est pas donné à voir ou à entendre.
mais qui pourtant est implicite, qui dit derrière un certain récit, ce à quoi j'accorde de la valeur, par exemple. Donc c'est ça l'absent mais implicite, c'est quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas donné à voir, mais pourtant il est suggéré ou il est implicite. Et on va vraiment porter cette attention, Florian et Muriel vont plutôt nous offrir à voir et à entendre des récits qui seraient plutôt dans cette première trajectoire, qui seraient sur la trajectoire de la souffrance, la première trajectoire. Et puis moi, ce que j'ai essayé de faire avec lui et elle, c'est d'orienter sur la trajectoire des identités préférées. Et on va voir un petit peu comment on va tramer ça ensemble. Je profite de vous dire aussi que je vais pas arriver à gérer la conversation en temps et en heure. J'aimerais beaucoup savoir faire ça en même temps. Par contre, je vous invite à être là, à commenter des choses, à poser des questions, et il y aura un temps qui sera consacré à ça, comme l'a dit Isabelle, donc je vais vraiment avoir à cœur de pouvoir aussi répondre à vos questions. Et ce que je vous propose de faire, on va passer à cette vidéo dans un instant, ce que je vous propose de faire en écoutant la vidéo, c'est d'écouter les mots de Florian du côté face. C'est-à-dire qu'il va nous mettre, il va nous donner des mots, il va nous parler plutôt de sa souffrance, il va nous parler de lui en tant qu'enfant. J'ai sélectionné une partie de son témoignage. Et puis, ce que j'ai fait dans un deuxième temps, c'est que j'ai capté des mots dans son discours pour ouvrir sur des voies alternatives. Et c'est ça qui va nous intéresser, c'est ça qu'on va essayer de faire ensemble, c'est comment on va tramer des questions à partir de mots qu'il pose, donc de ce qui n'est pas donné à voir. Vous pouvez le noter... Vous pouvez le noter dans un coin sur une feuille. Vous pourrez noter, peut-être ce sera plus facile après pour Muriel, parce qu'on va faire cet exercice deux fois en tramant des choses un peu plus, on va aller de plus en plus loin ensemble, mais j'avais vraiment envie que, malgré le contexte en ligne, malgré le contexte virtuel et avec le grand nombre de personnes qu'on est, que ce soit aussi interactif que possible, en tout cas que vous puissiez prendre ça pour vous, et donc capter un peu dans ce que Florian vous dit, peut-être ce qui vous touche, là où vous vous dites waouh, quand il dit ça je crois qu'il y a une compétence là derrière, et peut-être que c'est pas juste moi qui dois penser en tant que professionnel qu'il y a une compétence, mais j'aimerais aller le vérifier avec lui. Et donc captez un peu ces mots, et vous pouvez l'écrire à côté sur une feuille, et puis on en parlera dans un instant. Alors Isabelle, si tu es d'accord, volontiers pour prendre le pas sur la technique et nous inviter à écouter les mots de Florian. Il y a ton son qui est coupé, Isabelle. Voilà, désolée. Je vous repasse. Si vous pouvez me faire un petit pouce aussi pour me dire que tout est OK. Merci. C'est assez particulier parce que moi, on m'a toujours dit que ma mère fait sa première crise de décompensation l'année de ma naissance. Alors, en fait, moi, j'ai toujours connu ma mère comme elle est. En fait, j'ai jamais eu ma mère sans la maladie. On va avoir des mots comme la folie qui commence à peser au-dessus de nos têtes et puis qui commence à prendre une forme réelle quand on voit sa mère partir en ambulance ou faire une tentative de suicide, lui dire des trucs qu'on ne comprend pas ou avoir des attitudes complètement incohérentes. Et donc, on est sans cesse en train de jauger, quoi. On est sans cesse en train de prendre de l'énergie pour sentir où on en est où là avec cette mère qui n'est pas forcément comme les autres, normale. Alors là, aujourd'hui, OK, elle parle un peu toute seule, mais elle ne parle pas trop toute seule. Donc, ça veut dire que c'est encore OK. Bon, là, elle pète des trucs, donc ça va commencer à être un peu plus moins OK. Alors là, elle fait une fugue de 3 semaines. Non, là, c'est plus OK. Et les fugues, ben, on est sans cesse... Une fugue, c'est extrêmement douloureux à vivre pour un enfant parce qu'on perd notre mère, on n'a pas d'explication.
c'est pas, on nous dit, mais ta mère, on la retrouve plus. Alors, moi, ce que je faisais, c'est prendre mon vélo, et puis aller à l'école, et puis passer une journée et demie dans la ville à chercher ma mère. Jusqu'à ce qu'on nous dise tout d'un coup qu'elle est dans un foyer d'urgence, qu'elle a été récupérée par la police, qu'elle a fait une tentative de suicide. Voilà, donc c'est sans cesse, il n'y a pas de fin. Il y a beaucoup le sentiment de honte qui est très présent moi, dans mon enfance. Et c'est vrai que l'impression de tout le temps être tiraillé entre la volonté d'être proche de sa mère, moi j'avais vraiment l'envie de partager des moments avec elle et de pouvoir la voir en tant que mère. Puis en fait, dès qu'on se rapproche un peu trop, eh ben, on se rend compte que ça ne joue pas. Et finalement, il y a quelque chose qui est là pour nous empêcher d'avoir notre propre mère. Et c'est encore plus flagrant quand il y a des gens qui sont à côté de nous, des gens qu'on a envie de peut-être, qu'on apprécie comme des amis. Quand on est enfant, ben, on a quelques amis qu'on a envie d'inviter à la maison. Et là, tout d'un coup, c'est vite très, très compliqué. Puis moi, je me rappelle de énormément de moments où, en fait, je n'ai pas pu vivre les instants avec mes amis dans mon appartement quand il y avait ma mère, parce qu'en fait, j'étais sans cesse en ultra-vigilance de presque de cacher ma mère à mes propres amis. Donc, c'est vrai que c'est des moments, par exemple, où je me souviens, si on était dans ma chambre en train de jouer avec des copains à la console, et puis tout d'un coup, j'entends ma mère qui parle dans la cuisine un peu fort, elle parlait toute seule. Alors moi, mon idée, c'est immédiatement d'augmenter le volume de la télé, cacher les bruits, en fait, cacher les paroles de ma mère qui pourraient faire comprendre à mes amis qu'en fait, ma mère, elle est folle. Et moi, j'ai tout le temps ça dans ma tête, en fait. Donc, ça m'empêche finalement d'être avec mes amis, de profiter du moment, de jouer. Moi, j'ai vraiment un peu ce sentiment de ne pas avoir vraiment beaucoup joué, en fait, parce qu'on est sans cesse en train de se dire, bon, déjà, là, on est en train de jouer, mais ce n'est pas ça l'important. Ce n'est pas ça la priorité. La priorité, ce n'est pas le jeu, ce n'est pas le plaisir. La priorité, c'est qu'il va y avoir un drame, il va y avoir une catastrophe. Et la catastrophe, elle est tout le temps un peu à deux doigts de se passer. Voilà, merci. Merci Isabelle pour la gestion technique. Merci à Florian surtout pour son témoignage et que je trouve chaque fois que je le regarde tellement poignant. Et ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est d'utiliser la partie conversée, pour un instant j'y serai attentif, pour dire un peu ce que vous avez repéré dans les mots de Florian qui parle de ses compétences en tant qu'enfant, malgré et avec la douleur, les difficultés et tout ce qu'il exprime. Donc, vous comprenez bien ce que je fais là. Je ne nie pas du tout l'ampleur, mais qu'est-ce qu'il dit en termes de compétences? Donc, qu'est-ce qu'il dit qui n'est pas forcément à voir, mais qui pourrait parler de compétences et qui, dans un deuxième temps, va nous amener à formuler des questions dans ce sens-là. Donc, je vous laisse simplement écrire et puis regarder un peu ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous avez capté. Et ça, c'est vraiment s'exercer à cette double écoute dont parle Michael White, qui est d'écouter ce qui est dit et d'écouter aussi en arrière-fond le côté face. Donc je vois, vous avez parlé de la peur du jugement, la peur du regard de ses amis. Qu'est-ce que ça voudrait dire en termes de protéger son cercle social, par exemple, protéger son réseau, qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place autour de ça? Vous dites protéger sa maman dans ses compétences, tisser des amitiés, son autonomie, il prend son vélo, courage, indépendance, débrouillardise. Il arrive à faire une sorte de diagnostic de la situation de sa maman, donc il capte un peu ce qui se passe par rapport à sa maman. Effectivement, vous avez tout plein d'idées sur son observation, sur sa responsabilité, sur son souhait de maintenir une vie normale, et sur le fait qu'effectivement, il peut devenir un peu le parent de sa maman, d'avoir un rôle de responsabilité comme ça qui est exacerbé. Merci beaucoup, vous pouvez sans autre continuer. On voit que là, on peut capter des trames ou des traces de ce qui est important pour lui, qui est parfois exprimé en termes négatifs. Par exemple, à la fin de la vidéo, il va dire « En fait, la priorité, ce n'était pas de jouer. Et j'avais peu de temps pour ça. Ce n'était pas le plaisir. »
Et souvent, ce qui est exprimé en termes négatifs dans le discours d'une personne exprime à quel point c'est important pour cette personne. Et du coup, le plaisir de jouer, le fait d'être totalement dans son jeu, on peut imaginer que pour Florian, c'est un souhait, c'était un souhait pour lui en tant qu'enfant, et aujourd'hui, on a accès à lui, pas en tant qu'enfant, mais en tant qu'adulte. Et du coup, on peut se demander, ce serait une des trames qu'on pourrait utiliser avec Florian, cette notion, par exemple, de plaisir et de jeu. Je vais encore poser un point un peu théorique avec vous, avant de vous inviter dans les questions que j'ai pu formuler avec Florian. Je vais vous partager ce que j'ai appelé la boussole alternative, qui est cette manière de nous aider à formuler des questions, qui est basée sur la théorie notamment de Jérôme Bruner et de Michael White sur la question de comment tisser des bonnes histoires. 4 paysages qu'on peut aller visiter avec les personnes qu'on accompagne. Je vais être assez brève à cette occasion, mais juste pour vous en donner un petit peu le sens, Bruner et White nous parlent d'abord du paysage des actions. C'est tous les exemples que les personnes peuvent donner dans leur discours. Par exemple, je me rappelle d'un jour où tous les exemples que Florian, si on pense à lui, a pu donner. Alors si je réfléchis à ce qu'on a eu là dans ces quelques minutes, ces 4 minutes de témoignage, on a eu l'histoire du vélo, où il prenait son vélo pour aller essayer de chercher sa maman, et on a eu aussi l'histoire d'inviter des amis à la maison et monter le volume quand il entend que sa maman, elle commence à parler. Ça, ce serait des choses où on se dit on pourrait rentrer par le paysage de l'action et essayer de poser des questions qui donnent plus d'exemples ou d'illustrations. Donc le paysage de l'action, c'est vraiment d'essayer de trouver, est-ce que tu pourrais me raconter une histoire qui me montrerait que, peux-tu illustrer ce que tu es en train de dire avec un exemple? Enfin, c'est des questions de cet ordre-là. Si on pose que des questions de paysage des actions, ça ne nous fait pas une histoire très très intéressante. Du coup, on va essayer de poser d'autres types de questions, par exemple le paysage des intentions, qui a aussi été développé par Bruner et White, et qui nous permet de nous connecter à ce qui est important pour nous, à nos valeurs. Par exemple, quand tu prenais le vélo pour aller chercher ta maman, qu'est-ce que ça dit de ce qui était important pour toi à ce moment-là? Et Florian pourrait peut-être me dire, ben, ça dit que je voulais protéger ma maman, la sauver, la ramener à la maison. Je ne sais pas, je ne peux pas inventer à sa place, c'est des choses que je peux imaginer, mais évidemment, nous, en tant que professionnels, on va devoir aller vérifier ces choses-là auprès de la personne. Donc le paysage des intentions, c'est tout ce qui questionne nos valeurs. Nos principes de vie, nos engagements, ce qui fait du sens. C'est là où on donne du sens qui est relié à ce qui nous importe. Et puis Julien Bettebès, qui est un psychiatre nantais, a ajouté, bien sûr en se basant sur les travaux de Michael White, ce qu'il a appelé le paysage des relations. Pour qu'une histoire soit belle et tienne la route, c'est important aussi qu'on aille interroger les relations. Quel genre de relation tu tisses avec les autres qui soutient ça? Par exemple, quand tu partais, quand tu prenais ton vélo et que tu allais chercher ta maman, tu le faisais tout seul, tu le faisais avec quelqu'un. Qui t'a donné l'idée de faire du vélo pour aller chercher ta mère dans toute la ville? Qui t'a appris à faire du vélo? Qui t'a dit que tu pourrais faire une chose aussi engagée, aussi investie que prendre ton vélo pour ça? Qui était témoin de toi quand tu prenais ton vélo pour aller chercher ta maman? Voilà, je vous donne plein d'exemples comme ça de questions qui nous montrent comment on essaye de relier les personnes les unes aux autres. Et puis quatrième point cardinal de cette boussole alternative, le paysage des aspirations. Alors là, c'est la première fois que je m'autocite, ce qui est un peu bizarre, vous en conviendrez, mais je vous donne quand même la référence. Du coup, ça, c'est un paysage que j'ai imaginé, le paysage des aspirations, parce qu'il me semblait aussi que un questionnement qui peut être assez fort, c'est de permettre aux personnes de se voir dans un futur potentiel préféré. C'est-à-dire d'aider les personnes à les projeter dans un endroit où il y aurait peut-être moins de souffrance, dans un endroit où peut-être, par exemple, j'aurais pu demander à Florian si je l'avais eu en tant qu'enfant en face de moi, imagine un jour, tu es dans une course cycliste,
et tu es particulièrement compétent parce que tout ce temps que tu as passé à être sur ton vélo, à sillonner la ville, tu as un sens de l'orientation hors pair parce que tu es capable de t'orienter dans la ville en vélo, et etc., etc. Et du coup, qu'est-ce que ça dit de toi? Comment tu es? Comment tu peux te relier à ta maman? On est bien d'accord que Florian, enfant, ne trouve pas que c'est du tout génial de prendre son vélo pour aller chercher sa maman. Vous comprenez bien, je ne suis pas en train de nier la réalité de la souffrance. Ce que je fais, c'est que je sème des graines dans un futur où la réalité de la souffrance, elle est peut-être moins prégnante, et je permets à la personne de se projeter dans un futur souhaité, avec ce paysage des aspirations. Je ne fais pas beaucoup plus long là-dessus, mais je vous donne la source. Je parle de cette boussole alternative dans un chapitre du bouquin qu'on a coécrit l'année passée qui s'appelle « La thérapie narrative ». Et le chapitre s'appelle « L'art poétique des questions ». Vous le trouvez sur la slide, vous pouvez la voir. On revient maintenant, on quitte la théorie, on revient à Florian, et je vous explique un petit peu comment je m'y suis pris pour aller à sa rencontre. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, et c'est un choix totalement subjectif assumé de ma part, c'est cette histoire de console à la maison avec ses amis. Et je me suis dit, on va prendre juste un exemple, parce que moi j'ai trouvé que c'était tellement fabuleux, cette histoire de console, de pouvoir être attentif. Alors lui, il le nomme comme hypervigilance. Je me suis demandé si cette histoire d'hypervigilance, d'être capable d'entendre maman qui parle dans la cuisine, je monte le volume, je protège mes amis qui sont là, je protège probablement ma maman, entre guillemets, je me suis dit, mais ça, c'est un super pouvoir d'être capable de faire ça. Mais je ne sais pas si c'est un super pouvoir. Il faut que je demande à Florian s'il pense que c'est un super pouvoir. Et donc, je suis partie de cet exemple-là pour mener un entretien avec Florian. Dans le cadre de cette conférence, je vais vous donner des extraits de notre conversation. Et puis après, Florian a accepté, et je l'en remercie vraiment immensément, je suis remplie de gratitude par rapport à ça, c'est qu'il est d'accord de mettre à votre disposition, à vous les professionnels, de tout l'ensemble de la conversation qu'on a eue. Alors je vous disais en introduction, c'était un exercice de haute voltige, parce qu'en fait j'ai posé des questions à Florian, mais je ne savais pas ce qu'il allait répondre. Du coup, c'est évidemment pas ce qu'on fait quand on a quelqu'un en face de nous, c'est qu'on va s'adapter et s'ajuster pour tisser la conversation. Donc comprenez aussi le contexte dans lequel on s'est parlé. C'est pas un contexte dans lequel j'ai pu m'adapter et m'ajuster à ses réponses. Donc je vais poser des questions en partant de cet exemple de ce qui m'avait touché, et puis on a tissé ensemble et on va voir un petit peu ses réponses. Et on verra ensuite dans la boussole un petit peu qu'est-ce que ça donne et quel genre de questions j'ai pu poser. Alors, je vous lis, Florian a été vraiment très généreux et a tenu à répondre de manière assez extensive à mes questions, donc je donne juste des extraits, mais vous aurez accès à tout le reste de notre entretien qui, je le rappelle, a été fait par mail. Alors voilà comment je me suis présentée à Florian et comment on a fait connaissance, hein, parce que moi, je ne connaissais pas Florian, tout ce que je connaissais de Florian, c'était l'extrait que vous avez vu. Florian, j'aimerais revenir sur l'anecdote que tu décris dans la vidéo, celle où tu as invité tes amis à la maison et que tu étais particulièrement attentif aux bruits alentour, notamment à ceux provenant de ta maman. Est-ce que tu es d'accord, Florian, que je m'adresse à l'enfant en toi ? Ce qu'il a accepté. Florian, en t'écoutant parler, j'ai été épatée par ta capacité à écouter alors que vous étiez en train de jouer à la console. Personnellement, j'ai 3 enfants et je peux te certifier qu'aucun et aucune des leux n'est capable de ne pas se laisser totalement absorber par l'écran, par le pouvoir des écrans. Est-ce que tu serais d'accord de m'expliquer d'où est venue, pour un enfant de 10 ans, l'idée d'une oreille ultra-vigilante? Est-ce que tu avais vu quelqu'un le faire avant toi? Est-ce que quelqu'un t'avait soufflé cette idée? Est-ce que tu l'as créée tout seul? Et donc Florian accepte de me répondre en se mettant un petit peu dans son lui-même de 10 ans et me dit ça. À 10 ans, j'avais aucune idée de ces adaptations que j'exerce au quotidien. Ça m'est très bizarre de trouver cette manière d'être ou de faire extraordinaire, car mon univers semble focalisé sur rendre normal la normale. Je suis sans cesse en train d'observer, d'écouter, de sentir, de ressentir si quelque chose va à nouveau se passer, quelque chose de grave, quelque chose qui va donner raison à cette boule au ventre qui est constamment présente, que j'oublie quelquefois, mais qui est malgré tout constamment là. Seul, c'est un bon mot qui décrit mon sentiment général. Je suis seul, je me sens seul, et je pense que c'est la seule manière de vivre mes émotions.
je ne veux surtout pas parler de ma boule au ventre, et encore moins de mon ultra-vigilance à la maison, de peur que ça envenime la situation. Ma mère semble fragile, elle parle toute seule. Je ne la comprends pas. Mon père s'énerve, boit, frappe ma mère, car elle parle toute seule et ne fait pas le repas. Si je dis ça à la conseillère de l'école, ma mère va avoir des problèmes. Elle va partir à l'hôpital à nouveau, et cette fois, par ma faute, et mon père va être encore plus en colère, il va la frapper encore plus. Je ne pense pas avoir eu l'idée de cette oreille ultra-vigilante, mais j'ai plutôt l'impression qu'on me l'a imposée. Plus tard, on me dira à quel point j'ai été fort, courageux, ou encore que ces expériences m'ont fait grandir. Pour le moment, je n'en veux pas. Je ne vois pas vraiment ça comme quelque chose de bien. Je n'ai pas l'impression d'avoir créé quoi que ce soit. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. La seule chose que je peux faire de bien, c'est de me faire tout petit. Encore plus petit que ce que je suis. Ne pas faire de bruit. Ne pas prendre de place. Raser les murs. Et surtout, ne pas être un poids pour ceux qui semblent en avoir déjà assez, mes parents. Donc voilà le premier moment avec Florian où on fait connaissance autour de cette ultra-vigilance. On voit toute la nuance, la complexité de son propos. Je vais lui demander quand il avait remarqué, et c'est la question que je lui pose, la deuxième question, c'est quand as-tu remarqué que tu avais ce super pouvoir? Était-ce à cette occasion avec tes amis ou savais-tu déjà que tu l'as? Et il me dit, ce super pouvoir est un super boulet en réalité. Je suis tellement effrayée de voir ma mère en crise, de la voir parler toute seule, de voir et d'entendre les disputes de mes parents, que toute mon attention est focalisée sur ça. J'ai plus de vie, hormis mes problèmes à la maison. Il va me parler encore longuement à quel point l'ultra-vigilance, elle prend beaucoup de place. En narrative, on pourrait dire que c'est l'histoire du problème. C'est-à-dire que l'ultra-vigilance, c'est un super boulet, comme il le nomme. Donc, c'est pas un super pouvoir pour lui à 10 ans, c'est un super boulet qui prend toute la place et qui l'empêche d'être connecté à d'autres choses que d'être dans l'ultra-vigilance et d'être dans ce... Il dit deux choses assez importantes, c'est l'ultra-vigilance et le fait qu'il est tout petit, qu'il essaye de se faire tout petit, plus petit que ce qu'il est encore. Et puis... quand je lui demande plusieurs fois, je continue, donc rappelez-vous que je ne sais pas les réponses qu'il va me donner, donc mes questions, elles sont un peu orientées comme ça. Il va dire qu'il ne voit pas vraiment ça comme un super pouvoir. En tout cas, il n'en veut pas de ce super pouvoir. Parce que le super pouvoir qu'il préférerait avoir, c'est que sa mère, elle aille mieux. C'est ça le super pouvoir qu'il aimerait avoir en tant qu'enfant. Et son super pouvoir, il dit, c'est plutôt me taire et me faire tout petit. Et je lui demande dans une question suivante, est-ce qu'on pourrait nommer ce super pouvoir en tant qu'oreille ultra vigilante ou il faudrait l'appeler d'une autre manière? Et là, tout d'un coup, un peu, il y a une ouverture et il dit, c'est peut-être un super pouvoir, mais ça me gêne. J'ai l'impression que si on dit ça, j'attire l'attention sur moi et je ne veux surtout pas ça. J'ai plus l'impression que ça ressemble à un secret. Et dans ce secret, mon attitude ultra vigilante me servirait à protéger ma mère. Il faut que je sois là pour elle, du mieux que je peux, mais il ne faut pas qu'elle s'en rende compte. Et donc on voit que là, tout d'un coup, avec Florian, il y a quelque chose qui s'ouvre sur cette question du super pouvoir. Si j'avais eu accès à ces réponses et que j'avais pu former des questions au fur et à mesure, vous savez bien que les super-héros et héroïnes qui ont des super pouvoirs, c'est des super pouvoirs qui sont sacrément coûteux. C'est des super pouvoirs qui sont secrets, vu qu'évidemment, il faut que personne ne le sache. Moi, je continue avec cette idée que ça pourrait être intéressant de considérer ça comme un super pouvoir. Et si j'avais Florian 10 ans en face de moi, probablement qu'on aurait plein d'idées. Je lui demanderais, dans les super-héros, héroïnes qu'il connaît, lesquels se cachent. On sait bien que les super-héros, héroïnes, il ne faut pas qu'on sache qui ils sont, sinon ça dévoile tout un mystère. Enfin, ce n'est plus possible. Du coup, il le fait en secret. Il ne veut pas que ça se sache. Il n'a pas envie qu'on attire l'attention sur lui, mais là, dans l'intimité d'une consultation, peut-être qu'on peut en parler, peut-être qu'on peut laisser de la place à ça. Et puis, comme j'ai Florian qui n'a pas 10 ans en face de moi, mais j'ai Florian adulte, je lui demande comment ça lui fait en tant qu'adulte de considérer les choses ainsi et de se voir dans tout ce qu'il dit. Et Florian me dit « j'ai beaucoup de tendresse pour ce petit garçon que j'étais ». J'ai l'impression que c'était une autre vie et j'en reviens pas d'avoir vécu ça. Je comprends mes réactions et mes mécanismes d'aujourd'hui qui ont pris racine dans mes expériences passées. Et il va dire encore, j'ai vraiment du mal à comprendre comment des enfants peuvent subir ce genre d'état de stress et d'anxiété et qu'ils puissent passer entre les mailles du filet sans que personne s'en rende compte. C'est très important pour Florian, il va le dire plus tard, de
être maintenant un ambassadeur de la cause des enfants qui souffrent, parce que c'est ça qu'il prend avec lui de tout ce qu'il a pu vivre et ce avec quoi il a souffert. Il dit par exemple, je le cite, « Je me guéris en me disant que ces expériences douloureuses vécues pourront servir, une fois transformées et travaillées, à aider des enfants qui sont actuellement dans des situations similaires à celles que j'ai vécues. Je me sens presque engagée d'une mission, car les souffrances ne doivent pas être vécues pour rien et aucun enfant ne mérite de vivre dans la peur. » Quand je vous lis ça, j'ai des frissons, je trouve ça tellement beau et tellement riche, et j'ai eu les larmes aux yeux plusieurs fois en lisant le document auquel vous aurez accès ou pas. Et c'est dur pour moi pédagogiquement dans ce moment de conférence, parce que j'aimerais vraiment vous lire tout ce que Florian a dit, mais c'est pas possible, je pense que ça fait 6 pages. Par contre, je peux essayer de tramer avec vous qu'est-ce que j'ai essayé de faire. Et donc, je vais partager à nouveau mon écran avec vous, en repartant de cette boussole alternative dont je vous parlais, et je vous montre 4 questions que je lui ai posées. 4 questions qui parlent de ces différents paysages. On va les regarder brièvement. Dans le paysage de l'action, il y aurait « Peux-tu me raconter une fois où, dans un autre contexte que celui de ton enfance, tu as utilisé ton oreille ultra-vigilante pour préserver quelque chose qui te tenait à cœur? Qu'est-ce que ça a permis ?» Ou alors, dans les intentions, on l'a déjà vu, hein, la question que je lui pose comme « As-tu déjà considéré ton oreille ultra-vigilante comme un super-pouvoir? Qu'est-ce que ça te fait de le voir de cette manière ?» Et puis, dernier exemple pour le paysage des aspirations, Florian, j'aimerais maintenant, si tu es d'accord, m'adresser à l'adulte que tu es devenu. Qu'est-ce que ça te fait de considérer les choses ainsi? Où est-ce que notre conversation t'amène? Et alors là, vous allez voir que je vous ai fait un magnifique, vraiment là, j'ai mis toute ma technique à l'œuvre pour vous montrer un petit peu ce que je vous disais avant, en termes de comment on peut aller dans un chemin, dans une trajectoire qui parle du côté des récits alternatifs et des identités préférées. Je suis partie de ce que Florian nomme dans son témoignage de l'ordre de sa solitude et de l'ultra-vigilance. Et puis dans tous mes nuages, c'est beau hein, quand même, dans tous mes nuages que j'ai mis autour, eh bien, il y a tous les mots de Florian. Ce n'est pas des mots que j'invente, ce sont ces mots et j'ai vraiment envie de les honorer. D'être prêt à me sacrifier pour que ma mère aille mieux. L'oreille ultra-vigilante, c'est un super boulet ou c'est un super pouvoir secret? Et puis, rendre normal la normale, qu'est-ce que ça signifie? Le super pouvoir, c'est aussi de se faire tout petit, de ne pas être un poids. Et puis, ce que je vous ai lu à la fin, c'est cette mission dans laquelle Florian pense être engagé en tant qu'adulte, d'aider les enfants dans des situations similaires. Quelque chose qu'il va dire aussi après, que je ne vous ai pas lu, mais qui sera disponible dans l'échange que j'ai eu avec lui, il va parler de à quel point il a développé une sensibilité émotionnelle assez particulière et à quel point ça lui a permis, cette solitude et cette ultra-vigilance, de développer, il va dire ça, c'est vraiment beau comme formulation, sa palette de couleurs émotionnelles. Et donc on voit qu'à partir du récit de la souffrance, qui est tellement important à entendre, tellement important à recueillir, à accueillir, on va aller et on va inviter la personne, à certains moments de la conversation, à s'engager sur le deuxième chemin dont je vous parlais plus tôt, qui est le chemin de la voie alternative. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager et de mettre aussi en avant ce que Florian dit, parce que c'est vraiment ces mots qui m'inspirent, je pense que des enfants ont besoin d'aide et de soutien dans ce qu'ils peuvent vivre en lien avec leur famille. Je crois aussi dans la force du témoignage, et c'est vraiment ce que Florian va nous dire à l'issue de cette conversation. Donc vraiment, je vous inviterai, dans le temps qui nous est imparti, on ne fait pas beaucoup plus long sur Florian, mais c'était tellement riche et il a donné tellement dans ses réponses que je vous inviterai à aller lire ces réponses qu'il vous offre et regarder un petit peu le chemin qu'on a fait entre questions et réponses. Et puis, je vous propose d'aller dans le deuxième témoignage, qui est le témoignage de Muriel. Vous avez vu sur la vidéo, il y a Amandine, hein, que du coup là, je n'ai pas interrogée dans le cadre de ces conversations, mais on la voit, elle est présente. Et donc Muriel va nous raconter la relation avec sa maman et on va voir aussi ce qu'on a pu en faire en termes de conversation. Isabelle, c'est à toi pour la technique. Je vais vous partager.
Et juste avant qu'on démarre, comme avant, soyez attentifs, attentives à toutes les compétences dont Muriel va parler, mais dans cette double écoute, les compétences qui ne sont pas forcément données à voir tout de suite. Et prenez des notes, et la même chose qu'avant, vous pouvez les marquer dans la partie conversée, toutes ces compétences, toutes ces forces, tout le côté face du discours de Muriel. Pour juste contextualiser peut-être, donc j'ai vécu seule avec ma mère depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Ma mère, à l'époque, je ne sais pas de quoi elle souffrait, mais elle souffrait d'un trouble bipolaire, entre autres avec une addiction. Je voyais de la violence conjugale chez mes parents, donc j'avais déjà souvent peur. Et ma maman, elle avait des réactions imprévisibles, en fait. Et elle pouvait à tout moment péter les plombs, comme on peut dire dans le jargon, casser tout dans la maison, et sans prévenir, en fait. Sans élément déclencheur, enfin, en tout cas, que je ne percevais pas. Donc, j'étais tout le temps, en fait, sur le qui-vive, j'avais peur. J'étais dans l'hypervigilance. Et je me sentais seule, parce que ces réactions, elles étaient surtout dans l'appartement, en fait. À l'extérieur, elle avait d'autres comportements qui étaient différents de la norme, on va dire, mais qui étaient contenus quand même par le regard extérieur. Ce qui n'était plus le cas à la maison, quand elle s'alcoolisait ou des choses comme ça. Donc je me sentais vraiment larguée. Donc, avec un environnement que je ne comprenais pas. Laisser seul là-dedans. Et puis, à penser que je devais compter que sur moi-même, en fait. Ouais. Quand je rentrais de l'école, déjà, j'avais peur de savoir comment la retrouver. Si je ne faisais pas ce qu'elle me demandait, elle criait. Pouvait avoir des gestes violents sans forcément taper, mais elle pouvait montrer qu'elle allait le faire, en fait. Elle jouait, enfin, c'est pas qu'elle jouait, mais c'était toujours des émotions, en fait. Elle se comportait toujours avec des émotions, que ce soit la colère, des fois la joie aussi, la tristesse. J'étais baignée dans des émotions excessives, et ça fait peur quand on est enfant, en fait, d'avoir un parent qui flanque comme ça tout le temps. Donc j'avais peur quand je rentrais d'école, j'avais peur de séparation. Quand j'allais au week-end chez mon père et que je revenais, j'avais aussi peur. C'est comme si on vous met dans une pièce et puis qu'il n'y a pas de porte. Et puis que vous n'avez pas de repère, en fait. Et que vous essayez quand même de trouver une sortie de secours, mais il n'y en a pas. Et au bout d'un moment, c'est comme si vous êtes dans un étau et puis que vous ne pouvez plus. Et puis ce sentiment d'enfermement, d'impuissance avec toute une myriade d'autres émotions, il n'y a que finalement des envies de mort qui viennent, qu'on soit yogas, quoi, finalement. Même, on peut avoir des représentations, hein, sur le suicide, que ça se fait plutôt à l'âge adulte, pour X raisons. Mais c'est des pensées qui peuvent venir aussi. Quoi. Voilà, merci beaucoup à Muriel pour l'intensité, pour la richesse de ce qu'elle offre à voir, de comment elle nous permet aussi de nous immerger dans son vécu en tant qu'enfant. Pour moi, ces deux et trois témoignages avec celui d'Amandine, ils sont infiniment précieux. Et je suis de nouveau émue chaque fois que je sors de ce témoignage. Elle parle sans détour, elle parle de choses dures, et ça rejoint vraiment cette capacité en tant qu'adulte, en tant que professionnel, à accueillir, à entendre cette souffrance, à ne pas la nier, à ne pas la minimiser. Elle a parlé de mort, elle a parlé d'idées suicidaires, elle parle de comme c'est dur pour elle. Donc comment on peut valider, accueillir, créditer aussi toute cette histoire de la souffrance. Et puis, pendant que j'ai cette attention à laisser que ces mots puissent se dérouler, à laisser le récit de la souffrance
se faire et accueillir ça, comment j'ai mon attention aussi sur cette double écoute, comment j'ai l'attention sur le côté face aussi. Qu'est-ce que Muriel a dit? Qu'est-ce que vous avez noté, si vous essayez de rester proche de ces mots, qui vous donnent l'idée que peut-être il y a des récits alternatifs à tisser avec elle, peut-être qu'il y a des histoires de compétences. Qu'est-ce que vous avez capté, si vous êtes d'accord de faire comme avant et d'utiliser la partie conversée pour ça, qu'est-ce que vous avez entendu, retenu, capté, qui pourrait nous donner une voie, un chemin qui serait du côté de ses préférences, de ses compétences? Alors, une première personne qui propose le fait qu'elle a tenté, qu'elle a pu trouver des repères où il n'y en avait pas. Effectivement, le fait qu'elle voyait vraiment une différence dans le comportement de sa maman entre l'extérieur et ce qu'elle pouvait vivre à l'intérieur de la maison. Du coup, là, on voit qu'il y a eu, clairement, il y avait une différence aussi qui pourrait être une piste à aller chercher. Essayer une sortie de secours, je trouve qu'elle l'exprime bien avec sa métaphore d'être dans une pièce isolée, de chercher une porte de secours, il n'y en a pas. Et pourtant, la persévérance, ça parle à mon sens de persévérance, de continuer de le faire avec peut-être quelque chose de l'ordre de la survie aussi, même s'il y a des moments probablement, et elle le dit, de découragement jusqu'à peut-être des idées suicidaires. Il y a aussi la question de je continue et je persévère, peut-être parce que je n'ai pas le choix, peut-être parce que je suis particulièrement accrochée à la vie aussi. Vous dites recherche de stabilité et d'ancrage face à la labilité émotionnelle de sa maman. Je ne pouvais compter que sur moi-même, l'autonomie, l'autosuggestion, la suradaptation. C'est ça, hein, il n'y a pas de sortie de secours, mais elle est toujours là. Elle a eu des idées suicidaires, mais elle est là. Comment ça se fait et comment on peut l'interroger à ça aussi Et puis moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'elle est partie de la maison aussi. Et que ça, c'est probablement, elle dit, à 14 ans, elle a quitté la maison et que c'est probablement une sacrée compétence aussi, une sacrée compétence de survie. Donc j'ai écouté Muriel comme vous, j'ai capté dans ses mots les trames qui pouvaient être un petit peu alternatives et je lui ai posé des questions. Donc toujours de la même manière qu'avec Florian, je lui ai posé ces questions en me basant sur cette boussole alternative et en tramant des questions un peu diverses. Mon point de départ avec elle, ça a été, je vous lis le début de l'entretien avec Muriel. Muriel, j'aimerais revenir sur quelques aspects de ton témoignage. Tu y parles à plusieurs reprises de ta solitude et du fait que tu ne pouvais compter que sur toi-même. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Muriel me dit, c'est difficile à mettre des mots sur ce sentiment. Je me sentais seule face à la souffrance de ma mère, seule face à ma propre souffrance et personne qui apportait une réponse adéquate à mes besoins d'enfant. C'est comme être dans un environnement hostile, à devoir compter que pour soi-même, que sur soi-même pour se rassurer, pour avoir envie d'aller de l'avant, pour réfléchir à comment survivre. Ce que je lui demande après, c'est qu'est-ce que tu as développé comme compétence en tant qu'enfant, concrètement? Et elle me dit, à mobiliser différentes stratégies. Adaptation, évitement, force, hypersensibilité, apprentissage par mimétisme, curiosité, débrouillardise. C'est incroyable. Alors c'est clair, c'est un regard maintenant d'adulte sur sa vie d'enfant, mais vous avez vu le nombre de compétences. Et toutes ces compétences, j'aurais pu interroger chacune de ces compétences prises séparément. Donc avoir cette attention à formuler ces questions de cette manière, ça permet vraiment d'entrer dans le monde des compétences et des préférences. On continue un petit peu l'entretien. À ce stade, je ne peux pas vous assurer, je n'ai pas eu la réponse formelle de Muriel, elle est d'accord que j'en parle aujourd'hui, mais je ne sais pas si elle accepte que je vous transmette l'entretien dans sa totalité, donc ça, ce sera la surprise à l'issue de cette conférence. Et une autre chose sur laquelle je l'ai questionnée, c'est cette histoire d'intérieur-extérieur, comme ça a été relevé par l'une d'entre vous, le fait que, en fait, elle ne se comportait pas de la même manière à l'intérieur et à l'extérieur. Et je lui dis, dans la vidéo, tu dis qu'un aspect de ta solitude d'enfant était notamment renforcé par la différence entre le comportement adopté à la maison, que toi seul connaissais,
et celui qui était, je cite, contenu par le regard extérieur. Et moi, je lui demande, serait-il envisageable d'imaginer que même si, par ailleurs, c'est une chose qu'elle dit à un autre moment dans la vidéo, l'apparence physique de ta maman était inhabituelle, elle ait choisi toutefois de contenir certains effets de sa maladie à l'extérieur. Et Muriel dit, oui, j'imagine, d'une certaine façon. Et je lui demande aussi, qu'est-ce qui a pu la pousser à agir ainsi? Et est-ce que peut-être que dans toute la place que prenait sa vulnérabilité, et il y a aussi la question des addictions qui étaient présentes avec cette maman, est-ce qu'elle aurait pu faire ça aussi peut-être pour protéger sa réputation et ou te préserver en tant qu'enfant, et que tu ne doives pas encore porter plus que tout ce que tu portais déjà à la maison? Et est-ce que Muriel pense que c'était une bonne stratégie de la part de sa maman de faire ça, ou au contraire, ça renforçait son isolement? Parce que moi, je ne peux pas décider ça à sa place, c'est elle qui doit me dire si c'était plutôt bien que sa maman se contienne, enfin soit contenue par le regard extérieur, ou si ce n'était pas le cas. Et puis, est-ce qu'elle pense que, aussi paradoxalement que ça puisse paraître, parce que c'est plutôt inadéquat pour un enfant d'être témoin de ça, mais est-ce que paradoxalement, elle peut penser, Muriel, que ça a pu être une marque de confiance de sa maman, de pouvoir se laisser aller, d'être elle-même, de vivre au contact de sa souffrance et de sa maladie à la hauteur de la détresse ressentie dans l'intimité de la maison? Vous voyez là ce qui est fait avec ce semer des graines de... Alors, j'en ai pas envie qu'elle fasse ça en tant qu'enfant. L'enfant va dire, oui, mais j'ai pas envie qu'elle fasse ça. Je préfère que, je sais pas, qu'elle fasse ça à l'extérieur. Je sais pas, à moi de gérer ça. Donc, on peut entendre ça. On peut entendre la souffrance. On peut entendre tout ce que ça fait. Et en même temps, planter les graines de, est-ce que ça aurait pu être une marque de confiance? Est-ce que ça pouvait dire quelque chose de son lien en tant que mère à sa fille? On se rappelle, depuis l'âge de 7 ans, Muriel, elle vit seule avec sa maman. Elle est complètement dans un, comme ça, huis clos avec sa maman, en tout cas, quand elle est à l'intérieur. Et donc, je questionne. Et rien ne me dit de comment Muriel va réagir à ça, mais je questionne et je propose ces trames alternatives. Je vous montre, au-delà des questions que j'ai posées, ce que ça a pu donner. J'ai refait mes nuages. Donc je suis partie avec Muriel de ces mots que j'ai entendus de l'ordre de la solitude et de pouvoir compter que sur soi-même. Et vous voyez là à l'écran tous les mots qu'elle a mis sur les compétences qu'elle a développées et la conversation qui nous a amenées. Elle dit des choses assez extraordinaires. Le premier nuage, je vous l'ai déjà lu, mais elle va me dire aussi que d'être, se sentir seule et de pouvoir compter que sur soi-même, ça a été utile pour elle à l'école, pour obtenir son certificat de fin de scolarité. Ça a été utile dans sa vie quotidienne, dans l'éducation de sa fille, dans la reprise de ses études. Pour elle, ça parle aussi de sa pulsion de vie intérieure. Hein, on a été plusieurs à percevoir que malgré ses idées suicidaires, elle a quelque chose de très fort qui est de l'ordre de la vie. Tout ça, c'est des mots à elle, hein. J'invente pas, c'est ces mots dans la discussion qu'on a eue. Elle dit que ça a été aussi utile dans son divorce, de pouvoir compter que sur soi-même. Elle dit notamment dans le côté administratif, j'ai beaucoup géré, j'ai beaucoup porté. Et ça lui a aussi permis de se rassurer, d'avoir envie d'aller de l'avant, de réfléchir à comment survivre. Et ça lui a donné confiance dans sa capacité à aller de l'avant et confiance en la vie. Et je trouve que c'est assez extraordinaire tout ce qui peut se tramer dans cette conversation alternative avec Muriel. Je vous donne encore deux phrases de Muriel qui lui tenaient à cœur. Je lui demande dans une question, ce serait quoi ton vœu aujourd'hui en tant qu'adulte pour les enfants qui vivent aux côtés d'un parent concerné par la vulnérabilité psychique? Et elle me dit que les enfants puissent avoir des espaces pour sortir du silence et qu'ils soient pris en compte dans les ressources qu'ils ont pu déployer, et non pas comme des personnes à risque de développer à leur tour des difficultés psychiques. Et puis je lui demande encore, qu'est-ce que tu aimerais dire aux professionnels, hein, ça tombe bien vu que vous êtes des représentants de ce groupe de personnes, qu'est-ce que tu aimerais dire aux professionnels qui accompagnent les enfants? Elle va nous dire plusieurs choses. De porter un intérêt au vécu de l'enfant, d'écouter l'enfant dans ses silences, et d'apporter une compréhension et des mots à ce qu'il peut vivre, de le soutenir en lui expliquant que des adultes vont prendre en charge les difficultés du parent et en lui expliquant ce que ça signifie et surtout lui expliquer la maladie. Et enfin, de sensibiliser les médecins traitants. Voilà ce que nous dit Muriel, voilà ce que nous a dit Florian avant. Et je pense que pour moi, le plus important de ce moment avec vous, c'est vraiment les mots de ces personnes et ce que ces deux personnes avec qui j'ai pu travailler, comme je vous le dis, de manière...
un peu comme ça à l'extérieur, par mail, sans les connaître, nous ont dit « Je suis en train d'arriver au terme de cette conférence. J'espère que vous avez pu voyager comme ça avec moi au pays des questions et au pays de comment on intervient aussi avec ses enfants dans cette double écoute, dans ces questions. Et puis, je vais vous laisser avec cette dernière slide, qui est une autre boussole, parce que apparemment ça me va bien comme métaphore privilégiée en ce moment. Mais dans tous les cas, les questions narratives ou les questions que j'espère que vous approprierez, oulala, c'est des questions qui rendent dignes, c'est des questions qui réautorisent, qui rendent les personnes auteurs de leur vie, auteurs de leur expérience. C'est des questions qui nous mettent en relation. C'est des questions qui ouvrent le champ des possibles et c'est des questions qui composent une vie esthétique et riche de sens. C'est comment on accompagne les personnes dans le fait qu'elles puissent se raconter. C'est pour ça qu'on les écoute et on les aide et on étaye la discussion dans une vie qui est à la fois esthétique et digne et riche de sens. Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, je crois que ça va être le moment de vous écouter, vous, peut-être, Isabelle. Voilà, merci beaucoup, Charlie, pour cette conférence, pour nous avoir permis d'écouter différemment, sûrement, probablement, ces témoignages, et puis de nous poser ces questions de « Quelles questions ?» Si je suis en face d'un enfant, quelles questions est-ce que je pourrais lui poser? Quelle attention est-ce que je devrais avoir avec lui? Il y a pour l'instant pas de questions qui sont posées sur le chat, mais je vous invite toutes et tous à en poser. On a un petit moment. Voilà, y en a quelques-unes qui arrivent. Donc, une question qui est posée pour Charlie est « Quand la maladie n'est pas reconnue et mise en mots ?» Comment proposer à l'autre parent ou l'enfant de se protéger dans un contexte précaire qui n'est pas reconnu? Ah, c'est une question absolument centrale. Merci de l'avoir posée. On est souvent ou régulièrement face à des enfants qui vont identifier de manière très précise, très complexe, la situation dans laquelle il et elle se trouve, comme vous l'avez dit plutôt pour Florian, hein, qui a une approche systémique de la situation, qui voit, qui capte, etc. Et puis nous, en tant que professionnels, en face, on n'a pas de mots, on n'a pas de diagnostic, ou on a un parent qui peut-être refuser aussi une partie de ses fragilités ou des souffrances dans lesquelles il se trouve. Et pour ça, j'ai rien trouvé de mieux que la métaphore qui a été développée par Astram pour travailler avec la vulnérabilité psychique, c'est à minima de parler que le parent a un fonctionnement zigzag. Pour moi, c'est la meilleure métaphore à minima pour reconnaître quelque chose chez l'enfant qui nous permet de sortir de « oui, c'est un trouble bipolaire ou une schizophrénie ou une addiction ou quelque chose comme ça ». Parce qu'effectivement, c'est peut-être pas à nous, en tant que professionnels, de diagnostiquer à la sauvage, non, c'est surtout pas à nous de faire ça, mais le plus important, c'est que l'enfant se reconnaisse comme légitime de la souffrance dans laquelle il se trouve. Et c'est vrai que dans bien des cas, soit on n'a pas de diagnostic, soit on en a un, mais le parent n'est pas d'accord avec ça, soit plein d'autres situations aussi. Et j'ai pu faire l'expérience à de nombreuses reprises avec des jeunes qui disaient « mais c'est quand même bizarre, mon parent est bizarre, il y a ci ou ça, voilà moi ce que je vis en tant qu'enfant, voilà ce que je dois prendre en charge ». Et la meilleure manière que j'avais, c'était de dire « ben, peut-être que ton parent, je ne sais pas si tu es d'accord, on pourrait dire qu'il fonctionne un peu en zigzag ». Et parfois, ça fait zig, et zig, c'est adéquat, et zig, c'est bon, et zig, voilà, et zag, c'est pas bon. Zag, c'est j'ai peur. Zag, c'est Florian, hein, il vous fait bien le déroulé du zag. Hein, le zag, c'est elle parle toute seule, bon, ça encore, c'est OK. Elle commence à dire des choses qu'on ne comprend pas. Elle part de la maison, elle part longtemps de la maison. On a peur pour elle, on la cherche, ça dure 3 semaines. Enfin, donc, on voit bien le zig et le zag. Et probablement que Florian pourrait aussi raconter plein de moments zig avec sa maman. Et donc il y a cette alternance. Donc pour moi, le fait de nommer, peut-être à minima, c'est nommer en tout cas et légitimer l'expérience de l'enfant. En tout cas, c'est la proposition d'Astram, ce truc de zigzag qui moi me plaît bien, et puis peut-être qu'il y en aurait d'autres. Merci. Il y a des personnes qui te remercient, Charlie, pour
pour les boussoles, qui sont des belles orientations, voilà, quand il y a quelqu'un qui travaille avec ses enfants. Une personne aussi qui dit qu'elle côtoie, parce qu'en organisant des cérémonies laïques de décès, disons, il y a des enfants souvent qui n'ont pas été, qui ont eu des parents maltraitants ou dépendants, et puis ils ont honte de leur comportement à l'extérieur, et puis ils sont parfois mis à l'écart. Et puis cette dame nous dit que c'est très, très utile de pouvoir, lors des cérémonies, par exemple, d'enterrement, de pouvoir les laisser dire publiquement l'expression de leur vécu, et ça leur donne une grande reconnaissance, et ça permet aussi aux gens qui les entourent de comprendre leur souffrance. Ça serait vraiment du côté de ce qu'on disait, hein, de cette trajectoire où on va aller chercher qu'est-ce que j'ai pu faire de ces expériences, comment je peux me raconter maintenant aussi différemment ou de manière plus riche et complexe. Alors soit si c'est dans le cadre d'une cérémonie, c'est plus tard, des années après, j'ai un certain recul. Mais ce que je proposais aussi, c'est qu'on n'attende pas ces moments-là et puis que dans le contact avec les enfants ou les parents, on puisse vraiment être conscient de ces deux trajectoires, de l'importance d'accueillir la souffrance et puis de l'importance de mobiliser, semer des graines de ressources, des graines de compétences aussi chez les enfants. Merci pour toutes les personnes qui œuvrent à ces re-récits ou ces nouveaux récits qui font du bien et qui donnent du sens à notre expérience. Une autre question, Charlie. Comment soutenir les enfants ou proches aidants qui ne souhaitent... Non, pardon, il y en avait une autre avant, excusez-moi. Comment gérer ou comprendre un parent ayant un trouble non reconnu et qui ne veut pas voir son enfant grandir et devenir fort? En fait, comment aider l'enfant dans cette problématique de rivalité? Ouais, là, c'est une question qui ouvre vraiment tout un pan de l'expérience. Ça va beaucoup dépendre de notre contexte d'intervention. Est-ce qu'on intervient seulement avec l'enfant? Est-ce qu'on intervient dans un contexte où on a accès aussi aux parents? Et comment on peut mettre les choses en lien? Alors, je vais avoir de la peine à répondre là en 2-3 minutes à une question aussi complexe, qui est pourtant très pertinente. Hein. Une question, par exemple, que je posais à Muriel, c'est... qu'est-ce que tu penses que ta mère pourrait dire de ce qu'elle a appris de toi en tant qu'enfant? Et puis Muriel dit, je ne crois pas que ma maman, en fait, elle arrive à avoir ce regard sur moi de qu'est-ce qu'elle a appris en me regardant aller, parce qu'elle est, ben, y a un bout où elle n'est pas tout à fait d'accord de reconnaître aussi sa souffrance, etc. Donc moi, j'ai l'impression que l'objectif, il n'est pas forcément d'amener les parents à reconnaître absolument tout. Idéalement, ce serait génial et ce serait évidemment tellement riche pour l'enfant, mais à minima que nous, professionnels ou les personnes autour, on puisse reconnaître ben, les signaux d'alerte. D'ailleurs, la personne qui pose ces questions, j'ai lu que vous disiez plus haut que vous aviez lancé vous-même des signaux d'alerte, et je pense qu'effectivement, l'enfant, il ne vient pas nous voir en disant « voilà, j'ai un parent, je me sens comme dans une pièce enfermée, je cherche la sortie de secours ». Enfin, l'enfant va plutôt agir, va plutôt nous lancer des signaux et des choses à capter. Donc moi, j'ai envie de dire, c'est peut-être déjà ça notre responsabilité de professionnel, c'est capter ces toutes petites trames de récits qui ne sont pas vraiment encore des récits, qui sont des tentatives de suicide, qui sont des comportements agressifs tournés vers les autres ou tout plein d'autres choses aussi qu'on peut capter et comment on va les amener dans une conversation. Merci. Je prends une autre question. Comment accompagner les adultes ayant vécu avec un parent en souffrance psychique mais qui n'arrivent pas à sortir de leur position de victime? Peut-être parce que la position de victime, souvent, elle demande qu'on soit reconnu comme ça. Du coup, ça, pour moi, avec des personnes qu'on va identifier, moi, ça m'arrive rarement d'identifier une personne qui se victimise, j'aime pas tellement poser ce jugement de valeur sur les personnes, mais ce que j'entendrais à travers ça, c'est l'importance qu'elles puissent exprimer et être entendues à travers leur vécu et que ce soit légitimé et validé. Donc là, ce serait vraiment pour moi une attention particulière au chemin de « j'ai grandi avec un parent en souffrance, voilà ce que ça a fait, voilà qu'est-ce que ça impacte encore de ma vie, voilà peut-être quelles sont mes peurs par rapport à la suite, par rapport au fait d'avoir moi-même des enfants ou autre. » Et puis en même temps, avoir cette double attention de tramer ces récits de compétences. Et donc, moi, je peux m'imaginer que cette deuxième trajectoire que je vous propose, elle permettrait à la personne de se sentir plus forte, plus digne et de se dire « oui, j'ai souffert ». Et ça, je peux le dire, c'est sans devoir le cacher, le nuancer. Je peux à la fois
embrasser la souffrance, aussi difficile soit-elle, et à la fois me dire qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que j'ai grandi, et comment ça, ça va m'aider à grandir encore, à faire profiter les autres de ça, à mettre, à avoir peut-être une mission comme Florian, d'aider à son tour les autres enfants, ou etc., etc. Donc ce sera évidemment pas quelque chose qui va se faire très rapidement, mais c'est peut-être l'attention qu'on aurait en tant que professionnel. Ok, merci beaucoup Charlie. Et puis on a encore le temps pour une autre question, mais tu as un peu déjà répondu. Bon, il y a une question qui demande: comment soutenir les enfants, les proches aidants qui ne souhaiteraient pas, qui ne souhaitent pas être au centre de l'attention? Ce que j'ai appris avec Florian, et vous le découvrirez dans le reste de l'entretien, c'est à quel point effectivement il ne souhaitait surtout pas être au centre de l'attention, parce qu'en fait ce qu'il aimerait être au centre de l'attention, c'est la guérison de sa maman. C'est avoir une maman qui ne vit pas cette souffrance-là. Donc l'enfant, ils sont incroyables ces enfants, leur priorité, c'est le bien-être de leurs parents. Ils comprennent bien que le bien-être de leurs parents, ça leur ferait vivre quelque chose de différent. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup touchée dans le discours de Florian, c'est quand il disait « je voulais être proche de ma maman, et être proche, c'était compliqué. » Parce que ça faisait du rejet, parce que ça faisait d'autres choses. Donc l'enfant, il fait toutes sortes de choses. Florian, vous avez peut-être vu sur le t-shirt qu'il porte, il a un t-shirt de basket, je ne sais pas quel est son lien avec le basket, mais il m'explique en tout cas dans l'entretien que quand il était petit, il faisait des formules magiques où il essayait de dire: si je mets tant de paniers qu'il avait dans sa chambre, ben peut-être que maman, elle va guérir. Ou il faisait d'autres formules magiques. Il disait, si maman guérit, je ne mangerai plus jamais de chocolat toute ma vie. Donc l'enfant, il est complètement tourné vers sa maman. Donc, c'est quelle subtilité on va pouvoir avoir en tant qu'intervenant à pas donner l'impression à l'enfant qu'il est au centre. D'ailleurs, vous voyez, hein, Florian, comme il dit non, mais moi, en se mettant dans sa peau de lui à 10 ans, je ne veux pas qu'on dise que j'ai un super pouvoir, enfin, ça me gêne, enfin, etc., parce qu'il a très à cœur d'abord sa maman. Et du coup, pour moi, c'est de nouveau, enfin, je vais juste dire la même chose, je pense, que je vous dis depuis tout à l'heure, mais reconnaître la souffrance que c'est, reconnaître tout ce que l'enfant fait aussi, et légitimer ça, et peut-être semer les graines. Moi, je peux m'imaginer que cette histoire de super-héros, si j'avais eu le temps de le développer avec Florian, surtout si je l'avais rencontré en tant qu'enfant, on aurait probablement pu semer les graines de quelque chose. Mais ça aurait été son super pouvoir secret que seul lui et moi étions au courant, parce qu'on a bien compris qu'il ne veut surtout pas que ses parents soient au courant, il ne veut surtout pas faire du bruit, surtout pas faire de mouvement. Donc ça, c'est une des stratégies des enfants pour protéger leurs parents, de ne pas faire de bruit, de ne pas faire de vagues, de ne pas faire de... Il le dit d'ailleurs très concrètement, je ne veux pas être un poids de plus pour mon parent. Donc comment on peut l'accompagner? Parce que nous, en tant qu'adultes, on peut être aussi assez persuadés que c'est un poids de vivre avec tout ça. C'est une sacrée difficulté d'être dans cette hypervigilance, vous imaginez. Et d'ailleurs, il le dit, hein, je ne veux pas être au centre de l'attention, mais en même temps, comment les professionnels ont fait pour passer à côté de mon état d'hyper stress et hyper vigilance? Donc, il ne veut pas, mais il veut. Enfin, et souvent, les enfants, c'est un petit peu comme ça. Sauf que le côté d'être au centre de l'attention, ça peut les gêner. Donc, ce n'est pas les mettre au centre, mais c'est peut-être les recentrer, eux, dans leur propre vie d'enfant. Et peut-être, parfois, les aider à juste pouvoir jouer une fois au basket sans que ce soit une formule magique pour soigner leur maman. Enfin, comment on peut les remettre aussi, les deux auteurs de Grandir avec un parent ayant une vulnérabilité psychique nous disent comment l'enfant peut prendre congé. Et ça, c'est une métaphore que j'aime bien aussi. Prendre congé de la souffrance et de la gestion de la souffrance de cette vulnérabilité psychique. Peut-être que ça aussi, c'est un de nos rôles en tant que professionnel, suivant où on travaille, de permettre à l'enfant de profiter, avoir du plaisir, être un enfant. Merci Charlie. Je vais passer la parole à Anne de Montmolin qui nous a rejoint et qui a relevé une autre question. Anne, bonjour. Bonjour, merci. Désolée d'arriver tardivement sur la séance, mais comme je ne sais pas si vous l'avez expliqué au début, je devais être présente ce matin, mais j'étais invitée à la radio et je suis allée à la radio accompagnée des témoignages de Florian, de Muriel, d'Amandine qui ont aussi accepté qu'ils soient passés à l'antenne en audio pour pouvoir témoigner de cette réalité. Donc, je voulais juste relever déjà la chance que j'ai d'avancer dans ce projet avec ces ressources-là, la chance qu'on a à ASTRAM d'avancer avec ces appuis.
Je vais profiter aussi de remercier Charlie parce que je trouve magnifique de pouvoir être dans cette double attention, de porter à la fois attention au récit de la souffrance et à la fois de travailler sur des récits alternatifs. Avant peut-être d'amener la question que j'avais relevée au début qui pose un problème un petit peu sensible, je voulais aussi savoir si Amandine, qui était présente dans la vidéo et qui est ici avec nous, avait envie de faire un commentaire peut-être sur des éléments écoutés ou pas. Bonjour, merci. oui, il y a plein de choses que j'aurais envie de dire et c'est pas possible, mais ce que je voudrais dire, c'est merci de faire tout ça. Ça me touche beaucoup parce que quand j'ai parlé la première fois de cette situation, c'était il y a une dizaine d'années, j'ai l'impression, peut-être un peu moins, dans une conférence sur les proches aidants et où il y avait des intervenants qui étaient proches aidants, mais il n'y avait pas d'enfants proches aidants. Et c'est la première fois que j'ai mentionné ça devant un public. Et à l'époque, j'ai l'impression qu'il se passait peu de choses. Ou en tout cas, je me suis sentie seule justement à l'époque parce qu'il n'y avait pas de structure. Et je trouve trop cool de vous voir aujourd'hui et de me rendre compte de tout ce qui a évolué depuis. Et je suis trop contente de ça. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et merci du coup pour tout ce travail et puis toutes ces recherches que vous faites. J'espère vraiment que ça puisse aider plein d'enfants. Du coup, voilà. Merci Amandine. Moi, j'avais envie de relever une remarque que j'ai vue tout au début du chat, qui disait, je ne sais pas si je la retrouve telle quelle, mais qui disait, en même temps, Florian dit enfant qu'il n'aurait pas voulu en parler, et aujourd'hui, il voudrait aider d'autres enfants à en parler. Je pense que ça met en lumière toute la délicatesse qu'il faut avoir dans ce travail, c'est-à-dire d'être à la fois dans la reconnaissance, ne pas banaliser, mais en même temps ne pas dramatiser. Je ne sais pas si Charlie ou Amandine, vous voulez éventuellement vous exprimer sur ce point qui me paraît assez important. Amandine, ça me ferait plaisir de t'entendre. Oui, je ne suis pas sûre, j'étais en train de lire les commentaires, du coup je ne suis pas sûre d'avoir exactement compris la question, Anne. C'était en fait une remarque tout au début du chat qui dit, voilà, alors Florian, il dit qu'il aimerait aujourd'hui aider des enfants à en parler, mais en même temps, il dit quand il était enfant qu'il n'aurait pas voulu en parler. Et je pense que c'est cette difficulté qu'on avait déjà, je pense, évoquée une fois dans le groupe ressources, de savoir comment on peut intervenir, parce qu'à la fois, ben, c'est vrai qu'en tant qu'enfant, on n'a pas envie qu'on vienne s'immiscer dans un quotidien qu'on essaie de maîtriser, et puis en même temps on a besoin de reconnaissance, donc comment intervenir de manière adéquate en fait. Moi j'ai trouvé la réponse de Charlie à ça tout à l'heure très juste, le fait qu'il y a le besoin d'être reconnu, mais la peur en fait en tout cas pour moi, Le cercle familial au moment où ça s'est pas bien passé avec ma maman, où elle était très malade, c'était en même temps mon seul repère. Et puis c'était la chose dont j'avais besoin pour survivre. Donc je voulais pas qu'on vienne mettre son nez là-dedans parce que j'en avais besoin. Et donc je trouvais trop cool d'en faire un secret, le truc du super pouvoir. Parce que du coup on n'est pas seul. Et en même temps, ça va pas bouger, en tout cas pas trop fort quoi. Et ça c'est une des choses quand j'ai commencé de témoigner il y a quelques années qui me tenait très à cœur. J'avais dans une conférence une dame s'était demandé comment faire pour sortir un enfant qui était dans cette situation de sa situation, et j'avais réagi très fort en disant que c'était pas ça le but, parce que on aime nos parents en fait, et on les aime tellement, vraiment, justement, qu'on s'oublie pour qu'eux, ils aillent bien. Et je trouve que cet amour-là, il a besoin d'être valorisé. Et puis que... Et c'est quelque chose que je n'ai pas vécu auprès des médecins qui se sont occupés de ma maman. Et j'en ai souffert. Et donc, ouais, je ne sais pas si ça répond à la question, en fait. Je me perds un peu. Mais moi, je pense complètement, puis j'avais envie de dire, je pense qu'à travers ça, il y a aussi toute la question du soutien aux proches.
et de se dire qu'on sait en fait que le 80% du soutien aux patients, aux personnes qui vivent une maladie psychique, c'est quand même les proches qui l'amènent. Et puis, c'est-à-dire de reconnaître le rôle des proches et le rôle particulier des proches quand ce sont des enfants. Et je pense que les enfants ont un regard spécial. Et moi, je l'ai aussi ressenti qu'on parlait beaucoup des proches adultes, mais que les proches enfants, c'est nouveau qu'on en parle. C'est important d'avoir ce regard-là. C'est pour ça qu'on fait cette matinée, c'est pour ça qu'on essaie de valoriser vos témoignages. J'ai envie de mentionner aussi un autre regard, un autre témoignage qui m'a beaucoup touchée, c'est le film « La forêt de mon père » qui est qu'on projette avec la production dans des séances, dans les premières en Suisse romande cette semaine. On trouve l'info sur notre site astram/zigzag. J'aime beaucoup ça parce que aussi c'est différent, c'est une fiction qui raconte une histoire, mais c'est une histoire qui est inspirée du vécu de la réalisatrice, et c'est une manière d'entrer aussi justement dans un récit, dans ce récit avec toutes ces contradictions et toutes ces ambivalences de l'enfant qui à la fois aime son parent profondément et à la fois doit aussi mettre des limites par rapport à se préserver. Je pense que c'est vraiment, on est dans des interventions qui doivent se faire en finesse, qui nécessitent une bonne compréhension de la situation, et c'est pour ça que je remercie beaucoup Charlie de nous avoir apporté là maintenant tous ces éléments. On va y revenir en fin d'intervention, il y a pour les échanges. Amandine, tu voulais dire quelque chose ou bien? Non, c'était pas ça. Ok, j'ai vu que tu t'avançais. Mais... je voulais aussi dire que cette journée, enfin cette matinée, elle a lieu dans le cadre à la fois des journées de la schizophrénie et à la fois de la semaine d'action enfants de parents dépendants. Je voulais juste éclairer un petit peu le pourquoi on intègre ces deux thématiques, troubles psychiques d'un parent, addiction d'un parent, dans un même programme. Parce qu'en fait, l'originalité du programme Zigzag, c'est vraiment de partir du point de vue des enfants et peut-être aussi de l'idée que le point de vue des enfants amène un nouveau regard sur ces questions-là et sur le soutien aux proches et sur ce qu'on peut en faire dans la société. Et puis, partir du point de vue des enfants, c'est se dire finalement qu'est-ce qu'il y a au final. C'est l'enfant qui voit son parent en zigzag avec les zigs qui sont très bien, avec les zags qui sont moins bien, avec une pondération entre les deux qui est parfois disproportionnée. Et qu'en fait, c'est le vécu de l'enfant qui est important dans l'histoire, ce n'est pas le diagnostic du parent. Alors bien sûr, il y a des différences entre une problématique d'addiction et une problématique de troubles psychiques, mais nous, on n'est pas des médecins. On ne va pas dans ce volet-là de rechercher ce qu'on peut faire par rapport à la maladie. L'idée, c'est vraiment de remettre au centre le quotidien des familles, le quotidien des enfants, de se dire que c'est un quotidien qui nécessite un soin, une attention, et que peut-être qu'il y a beaucoup d'énergie mise dans les actes médicaux, mais qu'en fait on nécessiterait quasiment tout autant d'énergie dans le soutien aux familles et aux proches. Et je pense que je dirais cette volonté de vraiment mettre en avant le regard des enfants et des témoignages d'enfants devenus adultes, c'est ça, c'est l'impact au quotidien, c'est l'impact d'un trouble psychique, d'une addiction qui vient frapper une famille, qui vient s'inviter dans le quotidien d'une famille, qui touche la personne qui la porte, mais qui touche tout le monde, et d'avoir ce regard systémique sur cette réalité. Alors, pour expliquer maintenant comment on en parle à Astram, je vais passer la parole à Viviane, qui est une des intervenantes du programme Zigzag à Astrambo. Je vous remercie. Je vais essayer de pouvoir vous partager mon PowerPoint. Ça y est, ça marchait à l'essai et maintenant que j'ai la discussion à côté, j'y arrive plus. Je ne vais pas paniquer. Donc, je peux déjà vous dire que moi, je m'appelle Viviane Richaud et je suis psychologue et je travaille à Astram. Et l'idée, c'était de pouvoir vous présenter un petit peu, justement, comme le disait Anne tout à l'heure, le projet Zigzag, un projet qui permet aux enfants et aux familles de se raconter différemment. Maintenant, je vais essayer de trouver le moyen de partager. En fait, il faudrait que j'arrive à enlever ces discussions. On part. Voilà. Voilà, c'est bon. Maintenant que j'ai réussi, ça joue. Tac.
Alors, oui, je dois dire que je ne suis pas une grande habituée au, je suis pas une grande habituée aux interventions sur Zoom, en disant que c'est même ma première. Donc voilà, ça me stresse un petit peu, mais je vais y arriver. Donc voilà, donc l'idée pour nous, ben, c'était de proposer, en fait, de faire une tentative un peu humble, d'offrir quelque chose aux enfants pour répondre un peu à cette demande qui a été faite dans notre conférence juste avant avec Charlie, de pouvoir offrir quelque chose aux enfants. Et donc, ça a été créé ce projet Zigzag, l'idée étant de pouvoir vraiment de permettre aux enfants et aux familles de se raconter différemment. Déjà, je reprends un tout petit peu le cadre ASTRAM. Alors, on en a déjà un petit peu parlé préalablement dans les différentes présentations, notamment dans ce qu'a dit Anne et puis au début Isabelle aussi. Mais l'idée d'ASTRAM, c'est vraiment de pouvoir soutenir les enfants en prenant en compte leurs besoins spécifiques, mais aussi en tenant compte de la dimension familiale. Très important pour nous de vraiment pouvoir penser les choses un maximum dans leur globalité et dans leur contexte. ASTRAM, de base, on a historiquement trois domaines d'action qui étaient le deuil, qu'on appelle, avec des parcours que l'on appelle 1000 étoiles, des soutiens pour la maladie grave avec des parcours qu'on appelle stéthoscope, et puis des soutiens aussi dans le cadre des enfants qui sont confrontés à la séparation de leurs parents avec des parcours qu'on appelle ma famille autrement. Puis, c'est greffé ensuite le parcours appelé Zigzag pour soutenir des enfants, des familles qui sont aux prises avec des difficultés psychiques dans leur famille. Souvent, c'est les parents qui sont prises à des difficultés psychiques ou un des parents. Et puis, ben, l'enfant, ben, comment on peut le soutenir là-dedans? Pourquoi Zigzag? Eh ben, Charlie nous en a déjà un petit bout dit avant pourquoi Zigzag. L'idée, ben, c'est vraiment de pouvoir métaphoriser ce zag avec des moments qui vont mieux, des moments qui vont moins bien, des moments où on est en hypervigilance, des moments où on sent qu'on peut diminuer cette hypervigilance. Ça a été créé, sauf erreur, en lien avec des demandes d'intervenants en protection de l'enfance qui disaient que, ben, en fait, ça pourrait être quand même intéressant que les enfants puissent aussi avoir quelque chose qui leur permette d'être soutenus. C'était des gens qui connaissaient déjà ASTRAM et qui avaient déjà envoyé pour les parcours, par exemple, deuil ou les parcours maladie, et puis, ben, qui faisaient un parallèle en se disant, mais est-ce que quelque chose pourrait être créé dans le même type d'idée mais cette fois-ci autour de la fragilité psychique. Donc voilà, donc le trouble psychique, c'est un domaine qui est très particulier, donc on ne peut pas l'aborder, enfin, il a fallu penser un petit peu plus que ce qu'on pensait, que ce qui avait déjà été préétabli avec les autres parcours. Donc l'idée, ben, c'est vraiment de pouvoir tenir compte des représentations autour des maladies psychiques, de la difficulté qu'il y a d'en parler en famille, et puis de la difficulté qu'il y a pour la famille d'en parler à l'extérieur. Hein, on l'a très très bien entendu dans ce que disait Florian autour de la honte, autour du besoin de garder ça secret, autour de cette difficulté avec aussi tout un... Alors déjà des conséquences sur ce qui pourrait arriver quand on en parle, mais aussi toutes les représentations de la société autour des difficultés psychiques et qui je pense, augmentent ce sentiment de honte, en fait, que peuvent vivre les enfants. Donc, l'importance, l'idée, ce qui nous tenait à cœur, c'était de pouvoir donner du sens. Puis pour qu'un soutien fasse sens pour un enfant, ben, il faut que ça la fasse sens et pour la famille et aussi pour le réseau. Il faut que ça soit un sens qui permettent aux personnes de se percevoir, à tous les membres de la famille, aussi au contexte et au réseau, peut-être, de se percevoir de manière digne. Donc, on peut se dire que le vécu de l'enfant dépend de la situation, mais aussi et surtout du regard posé sur cette situation. Hein. C'est ce que je viens de dire par rapport au fait que le regard est...
de l'autre a un grand impact. Et puis, ben, si on arrive à augmenter la dignité, ben, peut-être que ça pourra aussi apaiser un petit bout de certaines souffrances. Pour ce faire, l'idée, ben, c'était de pouvoir un bout raconter le trouble psychique. Je dis raconter le trouble psychique parce que, comme disait Charlie précédemment, on a dans la fragilité psychique souvent accès au diagnostic ou pas accès au diagnostic. Des fois, d'ailleurs, c'est toute une question, le fait qu'on n'y ait pas accès alors qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis, ben, vu qu'on ne peut pas se permettre un bout de poser des diagnostics, et puis surtout sur le fait que ce n'est pas très porteur pour un enfant de lui dire, écoute, ton parent il est bipolaire ou ton parent il a une schizophrénie, je pense que ça ne va pas beaucoup l'aider. Et puis, ça n'aide pas forcément non plus beaucoup la famille. Donc, l'idée, c'était pouvoir nommer autrement ces difficultés qui traversent les familles. Et puis, donc, ont été reprises les idées des thérapies narratives dont Charlie nous a parlé un bon bout en début de présentation. Donc, avec vraiment cette volonté très forte de dissocier la personne de la maladie. La personne n'est pas la maladie. La personne a peut-être une difficulté psychique qui est en elle, mais elle n'est pas en entier cette maladie, elle n'est pas schizophrène, elle a éventuellement une schizophrénie et on pourrait même se dire, on va utiliser d'autres termes que schizophrénie ou autre diagnostic. Donc l'idée c'est vraiment pouvoir identifier la maladie en tant que telle, essayer d'en faire carrément une représentation. On propose d'ailleurs du coup aux enfants, aux familles de faire une représentation de la fragilité qui avec laquelle ils vivent et d'en faire une représentation bricolée. Et une fois que ce bricolage, cette représentation est faite, eh ben, on va proposer qu'ils trouvent un nom à donner à cette représentation, à cette externalisation, comme on l'appelle. Et trouver un nom qui fasse sens pour la personne et pour la famille. Donc voilà, là on a typiquement des externalisations qui ont été créées par des enfants, une externalisation qui a été nommée Tagada et une autre qui a été nommée Chamallow. Donc c'était vraiment des enfants qui ont représenté la maladie psychique de leurs parents. C'est des belles photos qu'on avait, donc je les ai utilisées. C'est pas moi qui ai eu l'opportunité de travailler sur ces, de voir les enfants travailler sur cette, sur ces représentations. Mais peut-être que je peux citer d'autres. Je me perds. Oui, peut-être que je peux. Voilà, pardon, excusez-moi, d'autres externalisations que j'ai vues plus, de manière plus proche. Par exemple, une petite fille qui avait fait un gribouillis pour parler de l'addiction à l'alcool de son grand-papa et puis qu'il l'avait appelé Boucarou parce qu'elle trouvait que ça sonnait bien, parce que ça sonnait comme quelque chose qui faisait souffrance en fait. Et puis ben, c'était quelque chose qui était important pour elle de pouvoir le nommer comme ça. Et un autre enfant a créé une externalisation des petits bonshommes qui étaient d'ailleurs en lien un petit peu avec les Il était une fois la vie qu'on peut voir à la télé. Et puis elle l'avait appelée embêtante parce que c'était vraiment une maladie qui posait beaucoup de soucis dans la famille et puis qu'elle était très fâchée avec ça. Et c'était une situation, c'était le papa qui avait une addiction et le papa disait beaucoup, ben c'est pas grave, ça va aller mieux, je vais aller mieux, ne t'inquiète pas, je suis hospitalisée, mais après c'est fini, enfin voilà, beaucoup ce genre de choses et qui avait énormément de peine il avait vraiment cette volonté de positiver, en tout cas dans son discours auprès de la petite, mais c'était compliqué pour elle d'entendre toujours quelque chose de positif, alors qu'elle, ça la mettait très en colère. Donc en fait, elle a pu dire, moi, embêtante, j'aimerais la jeter en bas de la montagne, et puis qu'elle s'écrase par terre et puis qu'elle meure.
Et puis quand elle a dit ça, elle a pu dire ça de son papa. Son papa, d'un coup, il a pu aussi un bout dire, mais oui, c'est vrai, c'est horrible, cette maladie, ben moi, j'ai besoin de dire que ça va aller mieux, mais en fait, ben, c'est compliqué pour moi, et c'est dur au quotidien, mais j'ai besoin de donner un message positif, ben, j'ai besoin d'avoir envie de pouvoir m'en sortir, mais je comprends que ça te met en colère, et puis moi aussi, d'ailleurs, ça me met en colère, cette maladie. Donc voilà, donc je trouve que cette externalisation, c'est un outil vraiment très puissant, qu'on peut proposer aux familles. Donc, elle permet de créer une distance entre la personne et la maladie, hein, parce que du coup, la maladie n'est plus la personne, donc c'est quelque chose qu'on peut identifier, mettre à l'extérieur, hein, de dédramatiser de façon ludique, parce qu'effectivement, ben, les enfants, ils prennent toujours beaucoup de plaisir à faire, hein, ces bricolages-là, de pouvoir s'exprimer à propos des effets de la maladie. Là, je pense aussi à une maman qui disait ben, que sa maladie psychique, eh ben, elle l'avait représentée avec une boule qui avait des pics comme ça, puis elle disait ben, temps à autre la maladie elle me pique, puis après ben, je suis en colère, et puis j'arrive plus à me contenir, et puis je crie, et puis en fait ça serait pas mérité, et puis voilà, et puis du coup ben, ça permettait de pouvoir nommer un petit bout d'une autre manière qu'est-ce qui était en train de se jouer quand cette maladie elle s'activait fortement chez la maman. Observer que la maladie agit sur tous et toutes, parce qu'effectivement sur tous et toutes, et parce qu'effectivement ben, ça se joue dans toute la famille, et puis ben, avec typiquement encore avec cette histoire d'externalisation avec des pics, ben, la famille, les enfants ont pu dire ben oui ben, c'est difficile quand tu t'énerves, voilà. Et voilà, ça a permis vraiment de donner un dialogue, de mettre en place un dialogue dans toute la famille. Et puis de solidariser la famille contre la maladie. Ça nous énerve. C'est vrai, encore avec ce fichu tagada, ben, ce matin, ben, j'ai pas pu aller à la garderie. Puis il y avait une activité prévue, puis moi je me réjouissais, puis tagada, et ben, il empêchait maman de se réveiller, et puis ben, à cause de cette maladie, ben, c'est pas possible. L'avantage de pouvoir parler comme ça, c'est aussi un bout, c'est déculpabilisant. Déculpabilisons un bout pour le parent, mais quoi qu'il se dit quand même, j'aurais pu maîtriser mieux tagada, ok, mais pour l'enfant aussi, ça permet de pouvoir dire une émotion, de pouvoir dire je suis fâchée contre tagada, très fort, mais sans se dire je suis fâchée contre toi maman, parce qu'encore une fois, tu t'es pas réveillée, et du coup, ben, ça permet de mettre une distance de cette colère, par exemple, là, en l'occurrence, entre directement... pour éviter que la colère elle soit directement projetée sur le parent, on la projette sur la maladie, et puis comme ça, ben, l'enfant se sentira peut-être des fois moins coupable et pourra peut-être plus légitimement nommer sa colère. Donc voilà, donc l'idée c'est d'avoir une représentation du trouble psychique qui aide à nommer son impact sur la famille, de manière générale comme je viens de l'expliquer. À STREM, on propose pas seulement des groupes pour les enfants, mais vraiment un dispositif complet. Je disais avant qu'on a vraiment à cœur de pouvoir travailler avec le réseau et avec les parents. Donc, pour ce faire, on va faire le dispositif habituel. Il va se jouer un petit peu comme ça. D'abord, on a un premier téléphone, soit avec les parents, soit avec le réseau professionnel, soit avec les deux. Enfin, ça dépend un petit peu. Et on va faire un entretien préalable. Pour les parcours zigzag, on est facilement à 2-3 séances parce qu'on a facilement un entretien avec le réseau et les parents, ou avec les parents séparés, ou avec et puis après aussi un entretien avec les enfants pour qu'ils puissent déjà un petit peu voir les murs d'Astram, voir comment c'est ici, voir la tête de certains intervenants, et avant de commencer ce qu'on a, les parcours en groupe la plupart du temps, mais parfois aussi autrement, en individuel ou en fratrie. Et donc, le parcours, il va se jouer sur 5 séances que je vais vous décrire un peu plus tard. Et ensuite, on fait toujours un temps de retour, aux familles, aussi parfois au réseau, suivant la demande de la famille. On essaye de composer avec pour ce qui conviendra le mieux et que ce soit le plus porteur pour les enfants et puis leur parents. Donc voilà, donc le but du travail avec la famille, c'est pouvoir reconnaître les efforts de chaque membre de la famille, par exemple pour tenir à distance tagada. L'idée, c'est aussi de pouvoir aider à nommer les difficultés, que les choses puissent être dites. Hein. On voit assez bien dans l'exemple que j'ai dit avec le père, d'un coup, il a pu
dire oui, pour moi aussi, c'est compliqué. Valoriser les ressources, ça, c'est un travail qui nous tient extrêmement à cœur, de pouvoir aussi se focaliser sur toutes les choses qui sont mises en place pour que la maladie psychique prenne le moins de place possible et le moins d'impact possible sur les enfants, parce qu'on voit que les parents, la plupart du temps, ont à cœur d'essayer de faire au maximum pour protéger leurs enfants des difficultés, en tout cas quand ils sont conscients qu'il y a des difficultés psychiques. Donc voilà, l'idée c'est vraiment toujours de penser dans l'intérêt de l'enfant qui est vraiment au centre de nos préoccupations et de l'intervention. Donc voilà, donc a été créé ce parcours zigzag. Le parcours zigzag à STRAM, c'est 5 séances autour d'étapes bien précises pour reconstruire son vécu d'enfant en lien avec le zigzag d'un parent. Il va s'adapter à tous les âges, on dit tous les âges en fait, pas tout à fait parce qu'il faut quand même au moins un bout qu'il soit scolarisé, sinon c'est un petit peu difficile d'entrer dans les activités qu'on propose. Il peut se faire, comme je disais avant, en individuel, en groupe, en fratrie, en famille. Des fois, on fait des petits bouts, hein. On fait le parcours en groupe avec les enfants, mais au préalable, on fait la représentation, l'externalisation avec avec la famille dans son entier, par exemple. Et puis, depuis peu, on a fait aussi des interventions, on a fait faire ce parcours dans un foyer où étaient placés plusieurs enfants avec des parents qui avaient des difficultés psychiques. Et puis, ça a été une intervention très, très intéressante et les enfants ont beaucoup apprécié, surtout les plus petits, les ados, c'est moins cool. Mais les petits, ils ont vraiment beaucoup apprécié ce parcours. Donc voilà. Donc on a tendance à toujours beaucoup tenter de mettre en avant le groupe et d'insérer les enfants plutôt dans des groupes, même si c'est pas tout le temps possible et c'est pas tout le temps pertinent, c'est quand même important de pouvoir le faire parce que aux enfants, ça leur permet de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls. Quand ils partagent dans un groupe avec d'autres enfants, ils se sentent moins tout seuls, comme disait Aline, sauf erreur, tout seul dans cette pièce enfermée. Ils voient que d'autres enfants partagent le même type d'expérience, des trucs un peu similaires, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement porteur. Ça leur permet une certaine normalisation de leur situation, se dire, moi, je suis peut-être pas aussi étrange que ça, il y a peut-être d'autres personnes qui ont vécu la même chose, et je suis pas si différent. Et puis, une valorisation de l'expertise des enfants, hein. Ils se refilent des tuyaux, hein. Moi, dans ce genre de cas, je fais ci, ou quand elle, je vois qu'elle se fâche, je vais lire dans ma chambre. Ils se donnent des manières de faire, ou je sors jouer avec le vélo. Donc du coup, ils peuvent se refiler des tuyaux, et ce qui est très mignon à voir et très porteur, je trouve, pour eux. Donc voilà. Donc les principes de base du parcours, c'est comme je disais avant, dissocier la fragilité psychique de la personne, et puis chercher une manière de parler de la situation qui soit acceptable pour tout le monde, qui soit digne tout le monde. Et de travailler sur les ressources, compétences, comme je l'ai dit avant, mais aussi sur les difficultés. Et puis travailler vraiment à partir du vécu de l'enfant. Vraiment, pendant le parcours, on va avoir l'opportunité de venir un petit peu, petit à petit, avec les enfants, d'aborder de manière pas frontale les difficultés et les choses aussi plus cool qu'ils peuvent vivre. Aborder l'impact du zigzag sur la vie de l'enfant et de la famille plutôt que de parler de la maladie psychique dans sa dimension diagnostique, comme je le précisais avant. Donc voilà, en fait, le parcours zigzag, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est la création d'un arbre. Création d'un arbre qui est centré sur l'étayage identitaire de l'enfant. En fait, on veut un bout, cet arbre, comme une métaphore de l'enfant, une métaphore de des choses qui le ressourcent, qui l'habitent, qui le motivent et qui le rendent solide, et puis des émotions qui le traversent. Donc, ça permet de mettre en lumière les ressources, de créer un espace de sécurité en lui-même, ou dans l'arbre, et aborder petit à petit les difficultés au fur et à mesure que le groupe avance. La construction de l'arbre zigzag, elle se fait en 5 étapes, donc d'abord le socle, le tronc,
Ensuite, des feuilles. On m'a fait la remarque, mais vous ne mettez pas de branches à votre arbre. Alors, si on les met, mais on ne va pas les métaphoriser spécifiquement, les branches. Ensuite, on va mettre des fleurs et puis des fruits. Le socle, il va permettre à l'enfant d'explorer qu'est-ce qui fait ses racines, qu'est-ce qui le rend solide, qu'est-ce qui lui permet de s'ancrer, et puis sur quoi il peut s'appuyer pour grandir. Alors, il y a les racines, d'où les origines, les chansons qu'il aimait quand il était enfant, quand il était bébé, mais aussi les activités qu'il aime bien. Là, typiquement, on voit qu'on a un petit lapin ou un petit chat, un petit lapin peut-être, qui est vraisemblablement quelque chose sur lequel il peut s'appuyer, cet enfant qui a fait ce socle, quelque chose, un être avec lequel il peut se sentir bien et qui fait ressource. J'ai un enfant là récemment qui a fait un socle très très beau avec un jardin, parce que la mère d'accueil chez qui il vivait, elle avait un jardin, il aimait beaucoup jardiner. Il y avait aussi l'école, il adore l'école, donc il a fait un beau petit bureau sur le socle en 3D avec une petite gomme, avec une règle, avec les petits ciseaux, tout ça en miniature, et puis un énorme terrain de basket, quelque chose de vraiment splendide, tout ça en 3D. Et ça, c'était vraiment très très fort de voir toutes les choses sur lesquelles il pouvait s'appuyer pour être bien au quotidien. Et puis ensuite, on passe au tronc. Le tronc qui va permettre à l'enfant de prendre conscience des émotions qu'il ressent par rapport à ce qu'il vit, à augmenter ses capacités à les exprimer adéquatement. On va proposer aux enfants vraiment de pouvoir distribuer sur une silhouette qu'on aura fait de lui des papiers de couleur, papiers qui représentent chacun une émotion suivant les choix de couleurs qu'il va faire. Par exemple, alors vu qu'ils ont beaucoup lu maintenant les livres des émotions, la colère c'est souvent rouge et puis la joie c'est souvent jaune, mais des fois on a des variations et c'est pas plus mal. Et donc ils vont pouvoir les étaler sur leur silhouette. Et par exemple, on a souvent la joie qui vient dans les pieds, parce que les enfants ils disent moi quand je suis joyeux c'est dans les pieds parce que je saute de joie. Et puis une fois qu'ils ont fait cette répartition des émotions, où est-ce qu'ils les ressentent, la tristesse des fois dans le cou parce qu'on a la boule, puis vers les yeux, ce genre de choses, on les reprend et puis on va les glisser dans le tronc. L'idée, c'est vraiment pouvoir dire aux enfants, vous êtes des êtres d'émotions. Les émotions, c'est quelque chose qui vous constitue, qui va vous rendre solide. Plus vous serez les appréhender, plus vous saurez les ressentir et les exprimer, plus vous pourrez vous tenir droit grâce à ça. Ensuite, on passe aux feuilles. Les feuilles, c'est vraiment, ça se centre sur les qualités. Donc, l'idée, c'est de pouvoir renforcer l'estime de lui-même, de l'enfant, et de mettre en valeur ses qualités, ses compétences. Et puis, explorer comment il fait face aux difficultés en lien avec la maladie de son parent, parce que par exemple, typiquement, il y a des enfants qui vont dire je suis rigolo, et puis être rigolo, ça permet des fois de pouvoir faire face à ce qui est moins rigolo dans le quotidien. Donc en fait, l'idée là, c'est vraiment de pouvoir s'auto-attribuer au minimum 3 qualités, et puis les enfants dans le groupe vont s'attribuer tous des qualités. Les plus petits vont nous demander d'écrire ou faire des petits dessins même. Et puis, on va prendre un moment avant d'accrocher les qualités sur les branches, on va prendre un moment pour faire quelque chose un peu théâtral, et on va dire comme ça aux enfants, on va leur demander de se mettre debout sur un tabouret et leur dire « Ici, à Astram, nous déclarons que tu es poli », c'est un truc qui revient hyper souvent, « gentil, drôle, beau, original ». Et puis, en fait, on voit au fur et à mesure que les différentes qualités sont énoncées, l'enfant, il se met à grandir. Et puis, c'est très, très beau et très, très touchant. Et les enfants descendent toujours de ce tabouret de manière très fière. Et donc, voilà, après, on va les coller dans les branches. Ensuite, on a les fleurs. Les fleurs, elles permettent à l'enfant de se relier aux autres, d'identifier et de mobiliser les personnes qui font ressource pour eux et de reconnaître l'héritage positif transmis par les parents et les adultes de l'entourage de l'enfant.
Donc là, on va avoir le grand frère, la grande sœur, le papa, la maman, l'institut, l'entraîneur de foot, et les copains aussi qui apparaissent dans ces fleurs. Et chaque fleur représente une personne qui fait ressource pour eux. Et ensuite, on va arriver aux fruits. Les fruits, ben, ça va permettre à l'enfant de se projeter dans des nouvelles perspectives, de s'autoriser à avoir des envies pour le futur, des choses qu'il a envie de faire. Et on va lui permettre d'identifier les ressources sur lesquelles il s'appuie pour construire son avenir, ses projets, ses envies. Alors les projets, les envies des enfants, ça peut être des projets déjà bien construits, hein. J'ai envie de devenir maîtresse d'école, j'ai envie d'être, qu'est-ce qu'elle disait, j'ai envie une jeune là récemment me disait, j'ai envie d'avoir un cheval et puis d'acheter un cheval, puis d'avoir une ferme avec des chevaux, voilà. Mais on a des projets un peu plus dans tout de suite, le maintenant, un des projets d'un des enfants, bon, ça peut être d'aller chercher un bubble tea en sortant d'Astra. Et voilà, et puis après, avoir une nouvelle boîte de Lego, parce qu'il y a énormément de plaisir à faire ces constructions de Lego. Et donc, du coup, on a vraiment ces projets à court terme et à long terme, mais ça montre que ben, ces enfants, ils ont des envies de vivre leur vie d'enfant et d'en profiter. Et puis, ben, on va essayer de bien valoriser tout ça. Donc voilà, j'en arrive un petit peu à la fin de ma présentation. Je me suis... Ouais, donc là, on a deux beaux arbres zigzags qui ont été créés par des enfants. On en a aussi un là derrière moi, dans la salle, qu'un enfant a bien voulu nous laisser. Et puis voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Et je me suis laissée un peu emporter par ma présentation, je me suis complètement décollée de mes notes, donc c'est possible que j'ai oublié des choses. Si Anne ou Charlie ou Isabelle, vous avez des choses à compléter, à dire, à rebondir sur ce que j'ai dit, présenté, n'hésitez pas, ou préciser peut-être. Merci. Merci. Merci beaucoup Viviane pour cette présentation qui était claire et vivante. Alors, il y a quelques questions déjà qui sont arrivées. Je ne vais pas les prendre dans l'ordre, mais bon, une question, est-ce que les enfants peuvent repartir avec leur création externalisée? Oh, oui, là on avait vraiment de la chance d'avoir un enfant qui était d'accord de nous le laisser. Ça arrive de temps à autre qu'ils n'avaient pas envie de le prendre avec, c'est assez rare. Ils ont bien sûr la possibilité de repartir avec leur arbre et comme ça il peut trôner dans leur chambre. Voilà, merci. Une autre question qui pose une question plus logistique, financière, c'est qui prend en charge financièrement ce dispositif pour les familles qui n'ont pas les moyens de payer ces séances? Alors, je vais peut-être prendre la parole, moi, pour donner une vision plus romande, parce que c'est vrai que les dispositifs changent un petit peu d'un canton à l'autre. C'est vrai que sur les cantons de Neuchâtel et du Valais, où on est dans une phase de lancement, ce programme, il est proposé, les prestations enfants sont proposées gratuitement jusqu'à la fin 2023, parce que justement, c'est la mise en place, et puis que, ben voilà, on va aussi s'appuyer sur l'expérience des familles qui viennent pour pouvoir structurer notre projet, même s'il y a déjà évidemment les bases des premiers groupes qui ont été mis en place, et puis les bases qu'on a sur vous. Ça, c'est pour le cadre particulier de Neuchâtel et du Valais. Après, sur Vaud, sur Fribourg, ce programme, il est proposé, je dirais, à un coût forfaitaire. Par exemple, le groupe, il peut aller de 120 francs pour l'ensemble des 5 séances, plus les entretiens préalables, plus le carrefour avec la famille après le groupe, jusqu'à 480 francs, mais ça dépend du revenu. Et puis je dirais qu'on propose de toute façon une première consultation à prix forfaitaire de 30 francs, voire 10 francs, pour pouvoir discuter de la situation, et que ben, dans ce cas-là, on peut trouver des arrangements pour des situations où il n'y aurait vraiment pas de financement possible. On n'a jamais refusé une famille pour ces questions-là. Donc, notre conseil, c'est vraiment on a des
je dirais, suivant les cantons, on a des possibilités différentes, mais notre conseil, c'est vraiment si vous êtes touché par une de ces problématiques, si vous avez besoin d'un entretien, vous trouvez sur notre site les coordonnées des différents lieux où on propose ça. Donc, c'est sur Astram Fribourg, c'est sur Astram Neuchâtel, Arc, Berne, Jura, c'est sur Astram Vaud, c'est sur Astram Valais. Sur Genève, il y a une organisation avec laquelle on travaille, on collabore également, qui est le BICEPS, qui n'est pas partenaire de Zigzag directement parce qu'ils ont leur programme et ils ont leur propre structure dans ce cas-là. Donc voilà, effectivement, la question financière se pose. L'idée, c'est aussi de pouvoir permettre aux parents de payer quelque chose selon leurs possibilités, parce que c'est souvent des parents qui s'investissent et qui sont désireux de s'investir pour leurs enfants, mais on trouve des solutions. Merci Anne pour cette réponse. Je vais poser une autre question qui est venue dans le chat, mais qui peut peut-être s'adresser soit à Viviane ou Charlie ou Anne. Alors, la question est: comment accompagner les familles qui ont des enfants d'âge préscolaire, donc sans langage, hein, qui ne parlent pas encore forcément, dans deux situations? La première situation, quand la maladie psychique est annoncée et reconnue par le parent lui-même, et dans la situation où les troubles psychiques ne sont pas reconnus. Et ça rejoint aussi un peu une autre question qui a été posée plus haut, comme comment faire si la famille n'est pas prête à entrer dans une proposition de donner du sens. Voilà. Je ne sais pas qui veut répondre. Ben, peut-être que je peux répondre un petit bout et puis vous compléter, mais en tout cas pour les enfants d'âge préscolaire, ça dépend un petit peu dans quel contexte on est, hein, si on est dans un contexte familial ou si on est dans un contexte de garderie. Je vois le début de là où vous travaillez, mais ça ne me met pas la fin. Donc voilà sur la question, mais il y a vraiment pas mal de livres qui permettent d'expliquer les difficultés à des enfants, à des enfants en bas âge. On a une collègue, Magali Drault, qui a écrit pas mal de livres justement destinés à des enfants qui ont des parents psychiques. Et puis, elle a fait sur vraiment plusieurs livres suivant les thématiques et les type de difficultés psychiques qu'il peut y avoir. Et puis ce type d'accompagnement, typiquement en garderie, il peut être pris en partie avec ce qu'on fait, hein. Après, pour des enfants qui sont avant l'âge scolaire, mais qui sont déjà un bout grand, qui parlent et puis qui ont des facilités, on fait des fois des parcours en individuel ou en fratrie avec un enfant de déjà 3 ans. Moi, j'ai fait pour une autre thématique, mais avec une fratrie dont la grande sœur avait 5 ans et puis le petit avait 3 ans bien avancé. Et puis, en fait, ça allait très, très bien dans ce contexte-là. Donc, ça, c'est aussi possible, peut-être. Et puis, quand on est plus dans les histoires quand la maladie psychique est annoncée et reconnue, quand les troubles psychiques ne sont pas reconnus, nous, ce qu'on peut faire parfois, c'est justement parler de Zigzag, plutôt que de parler de troubles psy, on sait que souvent ça arrive quand on a des enfants typiquement qui ont un parent qui voit moins parce qu'il les voit au point rencontre, mais que le point rencontre, le papa s'y rend une fois sur 10, et puis voilà. Et puis dans ce genre de cas, on essaye de prendre avec les deux parents et le parent qui aurait un trouble psychique, de parler du fait, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, il me semble quand même qu'il y a des moments, il y a des zigzags dans votre vie, dans le sens que dans la vie de votre enfant, dans le sens qu'un jour, c'est possible de vous voir au point rencontre, puis une fois, ça ne se fait pas, mais on ne sait pas exactement pourquoi, mais voilà, ça ne se fait pas. Et puis, est-ce que vous êtes d'accord que votre enfant puisse être soutenu dans ses zigs et ses zags, et sans vraiment nommer une maladie psychique? Et puis, il y a certains parents qui prennent ça, parce que pour eux, parler de dépendance, c'est pas possible, mais par contre, de parler de ces zigzags, de ces moments où ils sont plus en souffrance, puis des moments moins en souffrance, puis des moments plus en souffrance, ça, c'est des choses qui sont abordables, en fait, pour un certain nombre de parents.
je dirais. Après, je ne sais pas si Charlie, tu veux préciser des choses ou bien Anne, dire des choses un petit peu plus fines autour de cette question. Moi, je trouve que c'était parfait. Je laisse la parole aux autres ou à la suite des questions. Ok, très bien. Merci. Une question qui est venue. Avez-vous eu des retours d'enfants venus il y a quelque temps ou quelques années et qui ont pu vous dire l'apport de ce projet sur leur vie quotidienne? Alors, moi pas. Peut-être que Anne. Alors, moi, j'ai pas On n'a pas le retour, je dirais, sur les enfants. Je pense qu'on a des retours plus sur des professionnels qui étaient en lien avec les enfants. Je pense quand même qu'il faut un certain temps de maturation pour pouvoir en parler, que c'est peut-être... le programme a commencé en 2015, mais je pense que c'est depuis 2018 qu'on est vraiment très actif sur cette thématique, donc c'est encore jeune. Et puis, ben, c'est des professionnels du réseau qui avaient orienté des familles et qui disaient que ça avait amené une nouvelle base de discussion sur la famille. Sur la maladie avec la famille ou sur le trouble psychique ou sur le zigzag, parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est la manière dont ça a pris dans le réseau, en fait, la thématique zigzag. À peine on avait proposé ça qu'on a eu vraiment des gens qui disaient: ah oui, ben on a un parent en zigzag, c'est exactement ça, on ne sait pas exactement ce qu'il y a, mais on voit l'impact sur la famille. Donc je pense que c'est plus par des retours indirects qu'on a eu je dirais un retour sur notre programme. Il faut dire qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas en un groupe et cinq séances qu'on va changer le quotidien d'un enfant. L'idée, c'est aussi de poser avec ça des bases d'un soutien durable pour l'enfant, parce qu'il y a tout un travail qui est fait en amont, après, et on espère pouvoir le développer encore plus sur les prochaines années en lien avec le réseau, pour pouvoir en fait travailler avec les parents sur les besoins des enfants, leur donner quelques pistes pour mieux prendre en compte les besoins des enfants, les aider aussi peut-être à faire des démarches qui pourraient être nécessaires pour soutenir mieux l'enfant. Ça peut être peut-être d'avoir recours à des aides auxquelles il pourrait avoir droit, par exemple pour des activités extrascolaires pour les enfants, ou ça peut être plein de choses différentes. Mais c'est de donner sens quelque part à des démarches d'aide que la famille va pouvoir faire pour construire quelque chose autour du besoin de l'enfant. Donc, l'idée, c'est que Zigzag puisse permettre d'amorcer quelque part une dynamique plus large. Donc, voilà, c'est vrai que le parcours lui-même, on n'a pas de retour et on ne pense pas non plus que ça peut fondamentalement tout changer, mais ça crée cette base pour la reconnaissance, cette base peut-être pour commencer à la fois accueillir le récit de la souffrance, à la fois créer le récit alternatif. Et puis, ben, on serait très content d'avoir des retours par la suite, évidemment. J'aurais peut-être juste envie de rajouter qu'on a eu aussi l'occasion de faire quelques parcours avec des adultes, un petit peu selon les témoignages du groupe ressources, hein, où c'est des adultes anciens enfants de parents avec une fragilité psychique, et c'était aussi intéressant de voir que même en tant qu'adulte, ça pouvait aussi, le fait de faire le parcours pouvait changer aussi le regard sur le vécu qu'il y avait eu en étant enfant. Alors, c'est un petit peu particulier, mais c'est vrai qu'on a aussi eu cette expérience-là qui était intéressante. Merci Aline pour ce retour. Aline Fleury, qui travaille aussi pour Astram sur la région Neuchâtel, particulièrement. Vous verrez dans le chat que Charlie vous a mis un lien sur les livres à visée thérapeutique de Magali Drault. Elle a un site internet que vous pouvez aller voir, et Charlie nous donne aussi la racine de l'arbre zigzag. Oui, d'ailleurs, je te remercie. Inspiration, voilà. Je te remercie, Charlie. Ça fait partie des notes qui sont parties à la trappe dans mon enthousiasme. Donc, je te remercie de revenir un petit peu sur l'origine de l'arbre des récits et sur qu'est-ce qui a inspiré, en fait, cet arbre zigzag.
Voilà, je ne vois pas d'autres questions qui sont posées dans le chat. On a quand même encore un petit temps à disposition. Si vous avez d'autres questions, très volontiers, vous pouvez les poser. Sinon, est-ce que Charlie ou Viviane ou Amandine ou Anne, vous aimeriez encore ajouter quelque chose? Est-ce que, voilà. Alors moi, je voulais juste parler aussi des associations de proches et puis du fait que, parce qu'on parlait avant de réseau et puis j'ai mentionné les ressources dans le réseau, c'est vrai que pour nous, c'est important aussi de pouvoir avoir des liens avec d'autres organisations. Puis j'avais envie de te dire que Zigzag, c'est vraiment un travail qui se construit en réseau et qu'on est friand, on est très intéressé à avoir aussi tous les apports qui peuvent venir des personnes qui écoutent aujourd'hui cette matinée. Par exemple, des personnes du réseau qui auraient eu des expériences ou qui auraient des questions ou qui aimeraient nous aider à construire un petit peu ce projet, parce que l'idée, c'est vraiment de construire finalement un réseau autour des réponses en réseau autour de ces besoins des enfants. Donc, n'hésitez pas à prendre contact plus directement avec Astram à l'adresse info@astram si vous avez quelque chose à partager. On est très intéressés. Voilà, puis autrement, ben, je passe peut-être la parole à Charlie ou à quelqu'un d'autre si vous avez encore quelque chose que vous avez envie de partager. Moi, je vous fais une petite proposition. Si vous êtes d'accord, vous avez une évaluation formelle, mais peut-être dans ces dernières minutes, je vous note ça dans le chat, si vous êtes d'accord de partager, soit oralement si vous avez envie, soit par écrit, ce qui vous a particulièrement inspiré ce matin, et puis peut-être ben justement ça va être quoi les points de suspension que vous allez, les prochains petits pas que vous allez faire avec vous de manière professionnelle, si c'est un mot, si c'est une phrase, si c'est un moment de la conférence ou de l'intervention sur Zigzag, enfin voilà, donner quelques mots un peu pour aussi qu'on s'enrichisse les unes les autres des apports et puis de ce que vous allez en faire. Peut-être déjà à ce stade vous avez des idées, ce serait avec plaisir qu'on vous lit, qu'on vous écoute. Et c'est vrai qu'Amandine, je reviens vers toi sans pression, mais si tu avais envie de dire encore quelque chose, je t'écouterai avec plaisir. Oui, alors Charlie parlait d'une évaluation formelle. Je vous ai mis dans le chat un lien qui vous permet d'aller sur un formulaire d'évaluation et puis on vous serait vraiment très reconnaissant de prendre quelques minutes pour pouvoir le remplir. Ça nous permet au fait d'améliorer, d'ajuster et tout ça, c'est matinée. Et puis vous rappelez que ben, la matinée a été enregistrée, est en train d'être enregistrée et puis qu'elle sera en ligne sur notre site d'ici 24 heures, on l'espère. Et je vois que quelques personnes réagissent, Charlie, à ta proposition. Dire aussi que vous pouvez enregistrer pour tous les participantes et participants. Il y a, dans le chat, il y a à droite trois petits points. Si vous cliquez dessus, il y a la possibilité d'enregistrer la discussion. Comme ça, vous ne perdez pas les références qui ont été données ou certaines choses qui ont été dites. Et ça s'enregistre sur votre ordinateur. C'est très utile. Je réagis à un des commentaires où il y a le mot reverticalisant. Et c'est vrai que je trouve que c'est un terme qui est très beau et que je pense ne pas avoir utilisé pour parler de ce parcours et de cette construction d'arbres. Mais c'est vraiment ça l'idée et j'aime vraiment bien de pouvoir que ce mot soit énoncé. Je vous remercie. Pas sûr encore d'autres réactions. Alors sinon, moi je vais peut-être avant de terminer vous partager encore une ressource, un témoignage. C'est, je vais juste vous lancer la bande-annonce du film La forêt de mon père. J'essaye parce qu'il y a encore des séances qui vont avoir lieu dans plusieurs villes de Suisse romande.
On n'entend pas le son, Anne. Ah, il n'y a pas, ouais. Anne, juste pour Oui. te dire que le son, on n'entend pas le son. Il faut partager le son de ton ordinateur. Ok, je ne sais pas comment faire. Alors, j'arrête le partage parce que je ne sais pas pourquoi mon son n'est pas connecté. Alors, j'ai arrêté le partage. Qu'est-ce que je dois faire? Désactiver le son. Identique à système, non, c'est bizarre. Ce que je propose de faire, c'est que moi, j'ai aussi ouvert la bande-annonce et comme chez moi, apparemment, le son fonctionne. Essaye, ça marche. Je vais partager. Est-ce que vous pouvez me faire un pouce si vous voyez déjà l'écran? Merci. Et je lance. Ouais, j'ai plus de la faim! Je crois que la forêt est à lui, mais elle est à tout le monde. Tout est à nous. Ouais. Laissez les enfants, j'arrive pas à faire centrer. Pourquoi t'as acheté la télé? J'en rachèterai une. Avec quel argent? Qu'est-ce qui s'est fait virer? Un, ça suffit. Arrête de compter. Prenez tout ce que vous voulez. On n'a qu'à tout laisser ici. Ne verrons pas. Attendez-moi dehors, les enfants. On va rentrer par la forêt. Lâchez-le ! C'est grave. C'est un début d'épisode psychotique. Il a besoin de soins. Vous devez penser à vous. À vos enfants. Je ne peux pas lui faire ça. Ils sont très bien soignés. Tu vas confirmer, c'est ça la vérité. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que c'est facile pour moi? C'est là! On s'est tous tarés, ouais. C'est juste le père. Tu crois que je serais comme papa? Merci beaucoup Isabelle pour ce sauvetage technique. Donc c'est un film qui est franco-suisso-belge, qui n'était pas encore sorti en Suisse romande, qui sort cette semaine. Il y a des premières sur Bulle aujourd'hui, sur Neuchâtel demain, sur Monthey vendredi, sur Lausanne samedi et sur Fribourg mardi prochain. Ou lundi prochain, il y a tout ça sur notre site. Il y a encore des invitations gratuites qui sont disponibles s'il y a des personnes qui sont intéressées. Enfin, je ne connais pas l'état des places sur tous les sites, mais je sais qu'il y en a encore qui sont disponibles. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé à venir le voir. Il y aura la réalisatrice qui sera présente sur plusieurs séances. On y sera aussi avec Astram. Elle parle aussi de sa vie. C'est aussi un témoignage converti en fiction. Et je pense que c'est une très jolie manière de suivre, d'entrer dans cette réalité en suivant le regard de Gina. J'ai vu qu'il y avait encore une question qui était arrivée. Peut-être qu'on peut donner un bout de début de réponse parce que c'est une question en fait assez complexe. Je me demande de quelle façon accompagner un enfant élevé par un parent dont le deuxième est principalement absent. Et souffrant de ce type de problématique, quand le parent qui est présent, qui donc s'occupe de l'enfant au quotidien, banalise et ne parle peu ou pas du second parent. Comment faire exister les souffrances de cet enfant-là? C'est vrai que c'est toujours assez complexe de pouvoir élaborer ce genre de choses quand un des parents est vraiment en difficulté de parler de l'autre parent et de faire comme si, enfin, tenter de l'occulter. Souvent, ça cache aussi, ce genre de choses cache aussi
des fois des vieux conflits hein, entre les parents qui prennent plus de place que la maladie psychique en elle-même, ou alors il peut y avoir un autre cas de figure où ben, la maladie est extrêmement taboue et le parent est mal pris. Alors si on est dans un truc où le parent enfin, où la maladie est vraiment taboue, ben, c'est peut-être une bonne idée de pouvoir tenter d'en parler avec le parent qui s'occupe de l'enfant au quotidien, et puis de réutiliser les métaphores qu'on a utilisées. Par contre, quand on est dans des situations plus complexes, conflictuelles, ou peut-être qu'il y a un bout d'envie de pouvoir occulter ce parent qui est moins là, ben là on rentre dans des choses plus complexes, et puis c'est vrai que ouais, ça demanderait un accompagnement plus fort, et puis là ça vaudrait la peine qu'on puisse en parler et revenir sur votre question à un autre moment, parce que je ne pense pas réussir à y répondre là comme ça maintenant. Voilà. Ça m'amène, Viviane, à mentionner qu'on est aussi à disposition des professionnels pour réfléchir aux situations, parce qu'on se regarde, on se rend compte que voilà, ben, grâce au soutien de notre groupe ressources, Amandine, Florian, Muriel, grâce aux témoignages des enfants et des familles, ben, on accroît notre connaissance de la thématique, et puis ben, on peut aussi aider des personnes qui sont des professionnels qui sont pris dans des interrogations par rapport à comment intervenir, comment faire. C'est aussi notre rôle. On fait volontiers des entretiens conseils par téléphone. L'idéal, c'est de les demander par mail. C'est plus simple en écrivant à l'adresse du site qui vous est le plus proche géographiquement. Et on peut organiser ça. C'est très volontiers qu'on le fait. Ça fait partie de notre mission. Voilà le mot de la fin. Est-ce que quelqu'un a encore envie de dire quelque chose pour conclure? Sinon, bah, je vous remercie de votre... je pense que c'était une très belle matinée, pleine de ressources, pleine de ressources offertes, que ce soit par les personnes qui ont témoigné de leur propre vécu, des personnes qui ont témoigné de leur pratique. Et puis, ben, n'hésitez pas à la diffuser une fois qu'elle sera en ligne sur le site pour la faire connaître, pour faire connaître cela à d'autres si vous pensez que c'est important et intéressant. Je vous souhaite une belle matinée, un bon repas parce qu'on arrive en fin de matinée. Et on vous dit à bientôt pour une matinée qui aura lieu probablement à l'automne sur notre thématique du deuil. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir à toutes et tous, merci beaucoup. Au revoir à tous, merci beaucoup.